Avec une bête de bonne nouvelles, les refs. Une nouvelle de fou, furieux. Le live action reconduit en 14 jours. Hop. <laughs> que ça voulait nous dire, c'était un flop. Ça a attrapé les vestes de ouah, wow, ça a flopé de fou. C'est la honte pour le budget de je sais pas quoi. <laughs> ça a tellement flopé qu'en deux semaines, ils t'ont dit, c'est renouvelé. Allez hop, c'est bon, on n'en parle plus. Je suis trop content. On va voir les refs. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va voir Alabasta IRL. On va voir Alabasta IRL. Ça lui se dit sur scène, c'est génial. C'est trop lourd, c'est magnifique. C'est magnifique de fou. Il y a 12 saisons prévues. Si on arrive à faire 12 saisons et aller au bout, c'est que tout le monde accroche. Et je me dis qu'il y en a plein qui peuvent vraiment accrocher à partir de, de Alabasta. On rentre dans le Grand Line, tu sens que les Mugiwaras sont petits dans un monde de, de géants. Là, tu rentres dans les choses sérieuses. C'est là que je pense qu'il y en a qui vont accrocher de fou. Et je pense la saison 3, ouais, saison 3 Skype Et, a. et Chopper, Chopper, j'ai trop peur. Je vous jure, Chopper, ça fait flipper de fou furieux. J'ai trop peur de voir ce qu'ils vont faire. Godard, il chie sur les live action Disney, ça me <laughs> Ah oui, il a chié sur tout le monde. Fort jeune, il a chié sur tout le monde. Chopper, ça va être compliqué, ça me fait un peu peur. Je vous mens pas, ça me fait un peu flipper. douze saison, ça va être chaud pour les acteurs. Mais de fou, il y a aussi la problème. Mais je pense que... La temporalité sera pas la même que la nôtre. Ils peuvent pas la gérer comme la nôtre. Parce que les Mukiwar, en termes de tempo, c'est très peu de temps, c'est trois piges. Et quand je dis trois ans, euh, je compte la pause hein, de deux ans. Donc du coup, euh, pff, il peut pas. On, on aura une tempo différente. L'histoire sera racontée différemment. Un peu là, quand on a eu euh, l'arc euh, Barati euh, qui, qui ne ressemble pas du tout à l'arc Barati. Quoi. Donc ça n'a rien à voir. On est marre des pro -amiro. On va en parler, professeur Jaja, on va en parler. On va en parler, les refs. On va parler des pro-amiraux. Euh, on va parler de ce qui se dit, ce qui s'est dit. Ce qui se... hey, en plus, là, je ne sais pas combien vous êtes, mais attention, vous n'avez pas le droit d'être plus de 20 dans mon live. Parce que d'après Oden France, euh, je fais des tweets constamment sur... Euh... Il m'a terminé. Je dois chier sur les pro-amiraux pour qu'on soit 20 dans mes lives. Ah. Ah. Ça va, on est 10, Moi, il reste encore 10 places. Ça m'a tué de rire. Qu'est-ce qui baragouine bon, On va chier sur les premiers. Oui, on va chier sur la marine, tout à fait. Oui. On a le droit ou pas Salut, ça va, mon ref On a le droit de chier sur la marine ou c'est pas permis Non, en vrai, la marine, c'est les méchants. En tout cas, pas toute la marine. Attention. Mais euh, les amiraux sont des méchants. Euh, je, peux, je peux, du coup... Euh... Salut, elle vous Salut à toi, bienvenue à toi, Installe -toi. Bienvenue el installe-toi. Bienvenue El-Colmador. El-Colmador, bienvenue à toi. Mais t'es pas bienveillant toi normalement je suis toujours bienveillant mon ref. Mais en fait, les amiraux, c'est des méchants. Heureusement, je vais pas... C'est la base, non si, je, un, je lis un manga où les amiraux sont quand même les méchants de l'histoire. Ils, ils aident à l'obscurantisme, ils donnent de la force au gouvernement mondial et c'est un une des plus grandes forces du GM, donc des grands méchants. Mais je dois les kiffer. Non, arrête de parler mal d'eux. Arrête de parler mal des méchants d'un manga. Oh, c'est pas bien. <laughs> hey, j'ai osé dire quoi sur Twitter. <laughs> T'es sûr, moi, on m'a dit... C'est vrai, des chic-types, des gens en or. On m'a dit quoi J'ai fait un tweet. On va parler du chapitre aussi, du coup. J'ai fait un tweet pour expliquer... Je suis trop lugubre, je suis trop sombre. Là. J'suis, j'suis pour expliquer que le chapitre... Il était masterclass, mais le combat, sincèrement, les refs, en toute objectivité, euh, on m'a dit que c'est difficile d'être objectif. Donc je vais essayer de faire le maximum pour l'être. Mais en toute objectivité, je trouve le combat éclaté au sol. Parce qu'il n'y a pas vraiment de combat. En fait, j'ai l'impression de voir quoi Un combat de Marineford. Sauf qu'à Marineford, c'était ultra intéressant parce qu'on découvrait les puissances sur place, on ne les connaissait pas. C'était tout nouveau voir des gens aussi puissants comme ça. Et à Marineford, c'était ça, c'était que, euh, que des sauts dans le temps. Il y a, on voyait un, deux, trois coups d'échange, et hop, on partait ailleurs. Après, on revenait vite fait, on partait ailleurs, et des fois, on revenait même pas. Donc, c'est un peu ça. Et, et là, je suis très déçu, personnellement, parce que même... Bon, j'ai flop. C'est vrai que j'ai flop de fou, quand même, on va le dire. J'avais théorisé, rappelez-vous, le titre du chapitre, l'Empereur Luffy versus l'Amiral Kizaru. Oda, il m'a dit, ta gueule, c'est moi, je raconte l'histoire. <laughs> Oda, il m'a dit, ta gueule, je raconte mieux que toi. Et con, on lui a dit... <laughs> <laughs> Il m'a dit dégage de là, je vais faire Il a fait mieux, le titre est incroyable, le titre est, est magnifique. Mais, euh... Mais après le combat ça commence ça commence, le combat a déjà commencé, et le combat a tellement commencé que Kizaru, là je dis ah ouais t'as vraiment vaincu Kaido, c'est sûr. La phrase elle est tellement forte qu'on la laisse à c'était tu sais, On la met de côté, genre comme s'il avait jamais rien dit. Il reste à ta place, laisse les grands raconter. Je te jure, il a dit ça. Dis, Mais, yes, il s'est connecté, je suis sûr, il s'est connecté sur Twitch. Il a écouté mon passage. Il a dit Mais qui est-ce qui ce Sarrasin Mais que, que raconte ce Sarrasin hein Il éclatait au sol. Et hop, <laughs> j'ai pas eu mon chapitre. <laughs> en fait, c'est ça. Je vous assure que même, et je vais, même la Presta de Luffy, je la trouve pas folle parce qu'on me dit Oui, c'est parce que c'est pour cracher sur Kizaru. Pas du tout. Pas du tout. Je trouve que Luffy, ce qu'il fait, c'est... Pour un moment qui nous a traumatisé, bah. C'est pas la folie furieuse, quoi, tu vois. C'est pas. Après, le scénario veut que aussi. Le scénario est roi. Euh, J'avais dit à l'époque que, que pour moi c'est sûr et certain que Kizaru allait échanger avec Vega. C'était obligé. Donc l'interaction a commencé et elle va forcément continuer. On... On va en apprendre beaucoup plus. Mais, euh... mais au-delà de ça, du coup, le scénario fait que le fif qu il fallait qu'il descende tout en bas. Parce que le fi, dans le manga, on verra dimanche, mais il dit bien, tu m'as fait descendre tout en bas. Et tout en bas, il y a quoi? Il y a le robot. Le robot qui. Donc en fait, à mon avis, il était à côté du robot. Il s'est changé en Joy Boy à côté du robot. C'est ça qui a entraîné le réveil du robot, en fait. C'est ça qui l'a entraîné. Donc l'histoire a voulu que Luffy soit proche du robot. Après, euh, honnêtement, je, je, je pense être objectif. Je pense être objectif au possible. Pour moi, Kizaru n'a pas vaincu Luffy. J'ai vu des messages sur Twitter en mode Kizaru a massacré Snake Man. Dans quelle année Il a donné un coup de pied, wesh. <laughs> Et en quelle année Se dit sur scène. Le robot qui what J'ai pas la, j'ai pas la ref frérot. J'ai niqué. Je sais même pas lire ton truc. <laughs> qui what <laughs> Je l'ai vu comme ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait le lire. Mon ce <laughs> n'est sur scène quand il s'est changé en Gear 5 face à Luchi, Il n'était pas à côté du robot euh, Non, il n'était pas à côté du robot. Là, je pense que vraiment quand il est descendu, il était proche du robot. Il était au même niveau que du robot. Quand il s'est changé en Gear 5, il était dans le laboratoire. Là, il s'est changé du... du Gear 5 en dehors du, du laboratoire, quoi. Et, et c'est comme pour la, le Dôme. C'est en train de me dire que le Dôme n'a rien fait à Luffy. C'est ce que j'ai dit. <laughs> Je prends un accent dégueulasse pour rien. Mais le dôme n'a rien fait à Luffy. Donc le dôme qui a un plot twist, qui tient un, un bouclier scénaristique ultra important, où Kaku, au début du. il, il remonte, il se fait allumer alors que c'est même pas 100%. Alors que c'est même pas 100%. Mais bien sûr que passer le dôme deux fois, wesh. Il a passé le dôme deux fois, Luffy. Une fois, totalement involontairement. Et c'était très, très intelligent de la part de Kizaru. Kizaru a fait un move très intelligent. Il faut dire ce qui est. C'est très, 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 très intelligent. Je jure, il y a rien du tout. Rends-toi compte, les pro-amiraux, ils disent maintenant je suis sûr, vous allez dire que Luffy prend des dégâts de la barrière et non de Kizaru. Ah oui mais mille fois que... Le coup... Mais on va prendre de principe. Imaginons que c'est le coup de pied qui a donné ces dégâts. Partons du principe, soit, d'accord, excusez-nous, c'est le coup de pied. Donc ça veut dire que le fil est tellement fort que ce coup de pied-là, qui est censé être waouh, au-dessus c'est waouh, il, il, il est capable d'encaisser le coup de pied à un niveau stratosphérique qui peut facilement le tuer, et deux fois le dôme. Donc en fait le dôme... Le dôme c'est rien. Tout le monde peut le passer. Il n'y a pas de problème. genre... Euh... C'est pas parce que t'es un Yonko que tu peux le passer. Et surtout, Luffy... Salut, le Luffy, je suis désolé, hein. Je suis désolé de le dire. Mais Luffy, euh, il n'a pas la capacité qu'un Kaido à tanker euh, comme, comme Kaido le fait. Ça n'a rien à voir. Et encore moins d'un Big Mom où il faut du HDR ou de l'éveil pour la toucher ou lui faire mal réellement. On n'est pas du tout dans le même cas euh, de figure, hein. Le euh, Luffy prend des dégâts, il a mal, oui, ça sera comme ça. Et heureusement, parce qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de suspense, déjà qu'il est trop fort. Sans son fruit, Kizaru passe le dôme, mais il passe même pas le dôme sans le fruit. C'est un, un des éléments importants qui font qu'il n'y a que Kizaru qui passe. C'est parce que c'est de la lumière et qui peut traverser le dôme sans se faire repérer. Le Luffy lui-même dit que c'est le dôme qui a failli le tuer, mais oui, non, mais deux fois. Et je vais voir la, la traite de dimanche. La traite de dimanche sera fois. Ça se trouve, ça sera traduit différemment. Et puis euh, Et je pense que Sanji, mais honnêtement, parce que ça a parlé de Sanji, mais je vous jure que je le pense sincèrement, là de ce qu'on a vu de Kizaru, le coup de pied qu'il met, Sanji il le tanque mieux que Luffy. Sanji, il tanque mieux le coup de pied qu'a pris Luffy de Kizaru que Luffy. Je vous jure que c'est 100% réel et je dis pas ça pour troll, pour troll, pour troller. Sanji ne se fait pas dégager. Il prend zéro dommage. Ah, mais Sanji, il a, il ça fait partie de ses caractéristiques. Caractéristiques que Luffy n'a pas. Salut, Samille Fleur. Bienvenue à toi, Nakama. Café Kizaru. Dis quoi, mon ref En plus, t'as dépensé des trucs. Théorie le dôme arrête les gens en dessous d'une certaine puissance, d'un certain acquis. Oui, tu as raison. Le move de Borsellino est pas mal. On appelle ça un out of the ring. Exactement. C'est un très bon out of the ring. Merci, mon gars. Mais non, je trouve vraiment que il le... y a de l'exagération de fou. Il a tout <laughs> y a tous les items. Il y a de l'exagération de, de fou furieux. Je sais pas pourquoi, d'où vient cette... C'est incroyable, incroyable. Le nombre de messages que je vois sur Twitter, des... <laughs> Alors les Pro hein Mais il n'y a absolument rien dans le chapitre, quoi. Il a rien. Kizaru a démoli le Snake Man, mais je... on n'a pas lu la même chose. On n'a pas lu la même chose. Oh merci Elrench. Merci beaucoup mon ref. Ça passe vite, embarqué ici. Sauf les pro Amiro et Engolfo. Bonsoir les gars. King tank mieux que Kaido. Donc pas étonnant pour Sanji. Bah oui. Mais même... bah voilà, je vais.. Merci beaucoup euh, Lelouch. Merci beaucoup mon ref. Pour moi, ce live sera en rediff. Ouais, Louzosan. Et je le mettrai même sur YouTube. Comme ça, il sera à dispo même gratuitement, rapidement sur YouTube. J'essaierai de le mettre ce soir. Sur YouTube directement. Si j'y arrive, ce sera demain, sinon. Mais, euh... Mais King, là, qu'est-ce qu'a fait Kizaru que King ne peut pas encaisser Là, de ce qu'on nous a montré, hein. vraiment, de ce qu'on nous a montré actuellement, pas, je ne parle même pas de, de là, des attaques qu'on a vues. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'il qu -ce qu fait je, je veux une vraie réponse à ça. Que, 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 que King ne peut pas faire, le coup de pied, il l'encaisse beaucoup mieux que Luffy. Il a fait quoi, Kizaru, par le coup on n'a rien vu. Ça se trouve, il a cogné Luffy avant, mais on n'a rien vu du tout. Et il y a aussi une partie une partie que beaucoup ont oubliée. Je vais le remettre. De hein. toute façon, on est là, on est chill. Je vais aller sur manga moins. Hop, je laisse le philosophe de côté. moins. je vais vous montrer un truc que je n'ai pas vu. Normalement, dans Mangama, mon, dans mon on peut voir les anciens chapitres. Hein. Je suis pas fou. Hein. Ouais, 1091, il est là. Ok, nickel. Je vais aller direct à la page et je, vous la, je vais vous la partager les refs ce qu'on m'a dit, au début du combat Snake Man, euh, pendant le combat, on dit « Non, regarde, le Luffy, il a des égratignures, il a pris des coups. Okay, » et, et ces égratignures-là, ça, ça, ça ne vient que de Kizaru. Ah, je dis « Ah, ok. Euh, il me semblait que non. Euh, I don't understand very well. Euh, voilà, my English is so fabulous. Euh, voilà, j'ai pas compris. » Donc partir vérifier parce que je me suis dit je suis pas fou quand même j'ai cru voir quelque chose les refs. on voit quoi ici là sur le visage de Luffy c'est Kizaru qui a fait ça ça il en a partout il en a partout c'est Kizaru qui a fait et Kizaru il est rapide hein <laughs> yeah i'm englishman i'm from boston you know i'm a dude as a boy mais là, là, tout ce qu'il a, c'est Kizaru qui lui a fait ça avant. Même. Mais regardez, il en a partout. C'est Kizaru qui lui a fait ça. C'est de la poussière. Ah. Donc tout ça, là, pour me dire, les... c'est pas Kizaru. Voilà, c'est pas Kizaru. Et moi, je dis juste qu'il s'est passé des choses en off-screen qu'on n'a pas vues. Des choses en off-screen qu'on n'a pas vues et c'est triste. C'est pour ça que je, je, je trouve le combat pas fou parce que j'aurais aimé les voir. Donc ça n'a rien à voir d'être pro Kizaru ou pro Luffy. C'est juste que je sais qu'Oda, les combats, il a, il a dit que c'était plus trop son truc. Il voulait vraiment raconter une histoire. Mais ce combat-là, pour moi, il était important. Je mettais trois épées. Dans ma tête, on allait voir des micro-flashbacks. Vous voyez Vous voyez On allait voir... Merci tout le monde pour votre soutien de la chaîne YouTube et vos commentaires. Ah ouais Je vais en parler rapidement. Marcosi Marco Je suis choqué de la dernière vidéo que j'ai mise pour la réacte de ce chapitre. Je tenais à vous remercier. On a fait 5000 vues, vous me voyez et on a fait euh, combien on a fait de commentaires Marco Di Marco il y avait combien de il y a plus de 450 commentaires je crois sur la sur la vidéo c'est un truc de ouf hein, de faire 450 commentaires je vous assure Il n'y a pas que des bons commentaires mais ça va en vrai j'étais même surpris hein. parce qu'au début je me suis dit oh putain il y a des pas du tout pas du tout il y a très peu de ça va et même ceux qui sont contre mes propos euh, ils sont pas allés dans l'abus je trouve que ils ont pas 499 com. on n'est pas loin des 500. Je trouve ça ouf de faire 499 comme sur une vidéo qui est sortie hier. Donc, euh, merci beaucoup. Donc, euh, ouais, merci pour la force. C'est waouh, je, je suis surpris moi-même. Mes premières vidéos YouTube, elles faisaient, euh, elles faisaient combien, je crois 20 vues, 17 vues. Donc, merci beaucoup, les frérots, pour les 5000 vues. C'est un vrai plaisir. Bienvenue à toi, IOMS94. Donc, du coup, je. Je reviens à mon propos. Je reviens à mon propos. Euh, les blessures ne viennent pas de Kizaru. Et, et je vous assure que là, pour moi, je m'attendais, euh, vraiment à quelque chose de différent. Je suis peut-être bête, peut-être j'en demande trop. C'est possible. Hein Mais pour moi, il me fallait des. Salut à toi, Droz. Pour moi, j'avais envie des petits flashbacks. Tu vois, des petits. Ah ouais, putain, on devait être que 20 max. Merde. Dommage Gorgaz. Pour moi, il fallait ça. Il fallait des flashbacks de Shabaudi, Voir ce traumatisme où tu te dis, bah, on n'a pas eu. Et, et ce combattant attendu qui est hypé en plus un peu à la fin du chapitre précédent. Et encore une fois, moi je, je le dis constamment. Tous les éditeurs, quand ils te donnent une phrase sur le Shonen Jump, dites-vous que c'est de la merde. Dites-vous que quand un éditeur sur le Shonen Jump, il tease une phrase, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. Parce qu'il avait teasé l'affrontement de je sais pas quoi. De... Ah, peut-être il parlait de Kuma. <laughs> et même là, pas... il y a eu un combat sans sens unique. Kuma, il voulait pas se taper, il voulait juste partir. Donc, euh, c'est ça le problème. Et il y en a qui ont pris ça au pied de l'alerte. Et, et ils ont commencé à crier déjà la victoire absolue à, à cause de ces, ces mots d'éditeur. Ça n'a aucun sens de crier la victoire sur des mots d'éditeur, comme ça n'a aucun sens de s'enjailler sur des spoilers ou des liqueurs. quoi. T'as des liqueurs qui ont dit des phrases. Du coup j'ai pu rattraper un peu et, et, et ouvrir tous mes messages, que j'ouvre pas quand il y a un chapitre avant de react. Il s'est passé un truc avec un mec, Butcher, je crois. Euh, Butcher s'est fait vanner de ouf. <laughs> parce que il avait, je crois que c'est Butcher, peut-être je me trompe, de nom, j'en sais rien. Mais je crois que c'est Butcher. Il avait dit en gros que si le combat dure plus de deux chapitres, je brûle tous mes tomes. Et un des leaks, ça m'a choqué, j'ai vu le truc, ça a été. Des liqueurs. Ouais, des, des liqueurs. Mais un des. Un des. Euh, un des liqueurs, du coup, avait dit Je ne sais pas c'est quel nom, je ne connais pas trop ce monde-là, donc je ne peux pas vous dire le nom exact. Mais euh, avait balancé Si quelqu'un a dans le chat le nom de, du mec, bah, Redon, merci beaucoup, euh, Kudo, euh, achète de l'essence. Mais comment tu peux savoir qu'au prochain chapitre, Kizaru, il dort pas Kizaru dit je ne sert à rien de combattre ça, je... une autre stratégie. Finalement, le chapitre, il dit pas ça là. Donc je comprends pas. Pourquoi on suit des liqueurs Et ça se trouve Redon, il avait même pas tous les éléments. Ça se trouve, Redon, il savait même pas comment se finissait le chapitre à ce moment-là. Vous imaginez Ça a voulu afficher un mec en live pour ça. <laughs> C'est hardcore. Depuis 2005, il est dans l'île. Ah ouais, il est dans le business. C'est le parrain des liqueurs. C'est le padre. C'est le padre. Il se fait vaner de ouf au final sur ça. Mais il n'y a rien qui dit qu'au prochain chapitre, c'est peut-être le... Il a attrapé Kizaru comme un tacos. Les liqueurs sont d'un niveau de Grinch. Dans la commune One Piece, c'est quelque chose. Et c'est quoi ces conneries là On m'a envoyé des trucs. C'est quoi ces conneries Infinity Wars, merci beaucoup pour la force. 4 mois, ça monte vite en vrai. Kizaru tombe pas au prochain chapitre pour moi. Ok, c'est possible Infinity War, c'est grave possible. Mais il n'a pas besoin de tomber pour que le combat s'arrête. Là, tu as le robot, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a Kuma, je pense, qui arrive. Mais Kizaru, pour moi, est trop intelligent. Kizaru, pour moi, il est vraiment intelligent, c'est sa force. Kizaru, il est très très intelligent, même dans sa manière de combattre. Hein. Et très, très, le move qu'il fait à Luffy pour bloquer le Snake Man est très très intelligent. Il arrive à contrer le Snake Man de manière trop intelligente avec la lumière à fond là. Le move est, est, est vraiment intelligent de ouf. Donc moi je trouve que si Kizaru il pense qu'il ne peut pas le vaincre, il va pas aller au combat. Le combat s'arrêtera là, il fera autre chose. Il fera les choses différemment. Peut-être même qu'il va replier pour faire une autre stratégie, c'est possible. D'ailleurs, du coup, c'est bien le mode géant qui l'a réveillé. Mais en fait, en réfléchissant, il finit de voir, je pense pas que ça soit ça. Pourtant, il faut comme si le procès d'Oda n'a jamais existé. Ouais, ils oublient tous. Ah, c'est incroyable. Et ils ont mis des œillères des. Petits. Le Aramaki Procédona, on l'a tous vécu. Ah, c'était une période incroyable. Qu'est-ce que c'était bon. Ce qui le fils, aime bien la shorba. Frérot, le fille, il kiffe la shorba. Et tu sais, il kiffe quoi aussi Il kiffe la mlochia. J'ai dit mlochia, il va me terminer, le frérot. Ceux qui connaissent la mlochia à l'ERF, c'est du pétrole, mais c'est bon, je vous jure, c'est bon. D'ailleurs, du coup, c'est bien le mode géant. Ouais, je pense pas que ça soit le mode géant. Tu sais, je pense que c'est quoi qu'il a activé je pense qu'en fait, euh, il s'est transformé en Joy Boy en bas, au niveau du géant. Parce qu'il a dit, tu m'as fait descendre tout en bas. On vérifiera la traite du dimanche s'il y a bien ses propos. Et il me semble que le géant, il est tout en bas. Et donc, il s'est transformé en, en Joy Boy près du géant. Et je pense que c'est ça qui a activé le... Qui a activé, je, je pense. Après, faut pas oublier que le narrateur nous parlait d'un immense incident. Ah ouais, et le robot peut être un immense incident parce qu'on ne le connaît pas. Hein. C'est hardcore ici, hors sujet. Et euh, ouais, je suis Tounsi. Je suis tunisien, ce tunisien. Je suis d'origine tunisienne, exactement les refs, ça y est, je suis démasqué. Ah, l'arnouna là, frérot, hey, frérot, si jamais tu fais de l'arnouna comme de la mlochia, frérot, c'est chaud. Frérot, c'est chaud. Il faut consulter. Il faut consulter de malades, de fous furieux. Ça prend 10 heures à cuire de fous. C'est fou, c'est fou, fou. Bon, les refs, du coup. Pour moi, ouais, le, le mode géant, c'est pas ça qui a dû l'activer. Pour moi, c'est pas ça. Je peux me tromper, hein. Je peux me tromper, de ouf, Mais pour moi, c'est le fait qu'il soit, qu soit, transformé. Parce que quand il s'est fait éjecter, il a taré tout en bas. C'est sûr, il s'est transformé en Joy-Boy pour remonter plus facilement, pour réussir à passer le dôme. Là, ça n'a rien à voir d'être empereur, d'être euh, Power Rangers, d'être Optimus Prime, euh, passer le dôme à 100 Il fallait que Oda nous montre une certaine euh, résultante de ça, tu vois. Il nous met le dommage 24. Il nous dit le dôme est là, le dôme bloque tout, le dôme, le scénario on est bloqué le dôme est à 100 si au final le fit traverse le dôme comme s'il n'y avait rien du tout. Ça n'a aucun sens. L'organe, je connais pas frérot, ça se trouve tu vannes de fou mais je sais pas mon <laughs> que c'est. C'est les battements de cœur qui sont mis en évidence sur le robot quand il se réveille. Ah, c'est ça qui fait ah, j'ai pas fait attention. Gorgaz, ah, j'ai pas fait attention. On re regarde ça ce n'est remarqué sur la page. C'est le son du tambour. Ah bah vous savez, bah voilà, quand on l'a lu en React, on, 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 on peut euh, rater des choses, tu vois. C'est. On peut rater des choses de fou furieux. Je vais, je vais remettre le chapitre et on, on va voir ça. Je l'ai raté, du coup. C'est possible, de fou. C'est le problème des React. Quand tu fais une React et on a lu le chapitre deux fois, des fois tu passes à côté des trucs. C'est comme quand j'ai React. J'ai pas vu le robot au début. J'étais tellement choqué par le Gear 5. Et le fait que Kizaru soit devenu un tacos que ça m'a choqué de fou furieux. Si le frérot Neil, il monte, il va, il, il monte et, et je vais préparer un live parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live avec Nil. Mais il vient jamais le mercredi. Lui le mercredi, le frérot, il est toujours, euh... il est jamais là. Après ce mercredi-là, j'ai pas live donc aussi, je peux pas lui chier dessus là. <laughs> je vais pas faire le mec à lui chier dessus alors qu'en fait bah <laughs> j'ai pas live. <laughs> si j'ai fait le, le chapitre, je suis fou c'est hier que j'ai pas live. Vous savez comment je suis fatigué Je me perds dans les jours. Je me perds dans les jours de ouf. On va réact le phi Philosophe, Anne Sely. le phi le, phi le Philosophe, que j'ai jamais réacté du tout, et ça peut être cool de le réact du coup. Bon, on se met le prochain chapitre, hop. Et on voit ce qui se passe. C'est ça. On va remettre du coup le Tout Doom. mais tu penses qu'Oda a été bourré à cause d'Élie <laughs> Tu vas pas me lâcher, toi, mon ref. Tu vas pas me lâcher. Ah, bah ouais, t'as raison de ouf. Ah, bah ouais, j'avais pas vu. Vous avez vu, je l'avais pas vu. Donc, ouais, vous avez raison de fou. C'est pas du tout le fait qu'il soit descendu tout en bas, en fait. C'est pas. J'ai dit de la merde, excusez-moi. J'ai dit du caca. C'est vraiment ça. C'est un truc de fou. Hein. Après, après le. C'est ni ça date. Mais t'as vu le fan art Luffy versus Kizaru et Shanks Pas du tout, frérot. J'ai pas vu du tout il n'était pas là dans les dernières cross guild Ah il était pas là la dernière cross guild, mais il avait un truc important à faire, c'est pour ça. C'est pour ça. Vous m'excusez, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'excuser euh, d'avoir dit de, de la merde. Mais ouais, vous aviez raison, c'est le tout. Donc en fait, c'est le fait qu'il soit en géant et que son cœur, du coup, bah, fait encore plus de bruit. Mais moi, je trouve que la meilleure entrée qu'on a eue pour l'instant du Gear 5, c'est pas le Gear 5 en soi. Moi, le moment qui m'a fait le plus kiffer sur le Gear 5, c'est... Euh... C'est Zunisha qui en parle. Quand elle dit euh, Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. que Incroyable. Quand Zunisha en parle, c'est. Ça fait un truc de fou. Dans le manga, tu sens qu'il va se passer une singerie. Tu sens qu'il va se passer une singerie, tu tournes la page. Et Joy Boy, on nous en avait tellement parlé. Et là, tu t'entends, c'est le retour de Joy Boy. Hein ah, c'est incroyable Non, c'est incroyable. Sonny, tu en penses quoi Que Luffy sorte à tout bout de champ Son Gear 5, il aurait très bien pu mettre K.O. Kizaru. Comme Kaido a mis K.O. Luffy 1,5 milliard de berries. C'est complètement différent pour moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Luffy, quand il est arrivé face à, à Kaido, il est arrivé beaucoup trop confiant. C'est la différence entre Kizaru et Luffy. Kizaru, euh, Luffy, c'est un génie du combat. Mais Kizaru, c'est pas un génie du combat. Kizaru est très intelligent, très stratège. Là où Luffy ne l'est pas. Luffy ne l'est pas du tout. Pour moi, euh, c'est pas le cas. Et tu vois, regarde, par exemple, je pense sincèrement, vraiment, et je dis pas ça pour... Euh, je dis pas ça pour faire chier le monde, tu vois. Mais Zoro, qui n'a pas subi l'entraînement de Luffy, il a tanké bien plus sur le toit que le Raimake pris. Pourtant, il s'est pas couché, il ne s'est pas couché. Hein. Et il n'a pas pris l'entraînement. Il a pris l'entraînement d'Enma. Mais pas physiquement. Il n'a pas fait. Il n'a pas été enfermé à Houdon à soulever des, euh, à soulever des, 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 des briques de poids de fous furieux, des trucs de dingue. C'est tout. C'est que le fils, il est comme ça. Le fils, c'est une tête brûlée. C'est pour ça que quand, quand je vous dis, par exemple, c'est trop compliqué de faire des, des power scaling euh, sur, sur la rangée. C'est ouais, allumé en mode à fond. C'est trop compliqué, je trouve. Parce que, euh, parce que Zoro est mort comme Luffy. Ah Zoro, il est mort ça. Après, il a pris un Akai. C'est encore bien plus C'est tellement plus puissant que le Raimake qu'il a pris. Ça n'a aucun sens, même. C'est incomparable. Le Akai qu'il a pris, c'est à ce jour. Euh, c'est la deuxième attaque la plus puissante de tout l'univers de One Piece qu'on ait vu quand même. C'est fou. Hein. Parce que je pense que le Gun de Luffy est plus fort. Et vraiment plus fort. Mais euh, mais le Akai qu'on a vu, pour moi, c'est la deuxième attaque la plus forte de l'histoire qu'on ait vu dans One Piece. Hein qui nous a été donné hein, de, de voir. Je ne sais pas ce qu'elle fait, déconne de fou là. Hop, on va l'éteindre. C'est mieux comme ça. Mais pour moi, c'est c'est vraiment la meilleure. Hein. Plus puissant que le... Coucou. Pour moi, c'est la plus puissante. Le Akai, vous imaginez, c'est du HDR combiné de Kaido et Big Mom. C'est du HDR cumulé de Kaido et Big Mom. C'est trop compliqué. Et en plus, honnêtement, je trouve ça pas. Je comparerai jamais personnellement Luffy à Kaido ou à Big Mom. Parce que Big Mom et Kaido, on les a connus à leur prime. Ils étaient en fin de vie, ça y est. Ils avaient tout donné. C'était autrefois de leur. Ils étaient au... C'était des empereurs accomplis. Là où Luffy est un tout jeune empereur. Là où Luffy n'a pas l'art de combat d'un Kaido, je suis désolé. Hein, je... Luffy fera toujours les mêmes erreurs. Il va aller tête baissée. Là où, un, par exemple, un Kizaru va être beaucoup plus stratège que ça. C'est la différence. C'est la différence entre un, un, un vrai militaire et, euh, et notre ami. Euh... Ah, C'est Macam qui fait cet effet de flash euh... trop bizarre. Il se passe bien, le Rago de NR, il se passe bien. T'as as, as oublié le coup d'épée de Shanks et Roger. Ah c'est puissant, mais pour moi, c'est pas aussi puissant que le Hakai qu'on a vu, hein, je vous assure. C'était trop. Et Le Hakai, sans Zoro, il tuait tout le monde. C'est ça le truc. Ça nous est clairement dit, c'est clairement énoncé. Le Hakai, c'est une attaque qui, sans l'intervention de 2-3 secondes de Zoro, qui a permis de tanker et d'utiliser, qui a donné du temps à notre ami, à notre ami L'autre, euh... d'utiliser son fruit du démon pour pouvoir TP tout le monde. C'est... Euh... C est, c est, c est, sinon, ils étaient tous morts. Ils étaient morts. Ils prennent le Akai, le meurt. Voilà, c'est comme ça. Le Akai, c'était trop puissant. C'était beaucoup trop puissant. Mais moi, pour revenir au combat Kizaru versus Luffy, la phrase qu'il qu met, elle est, elle est trop laissée de côté. Comme s'il si lui disait, c'est bien, euh, t'as mangé un marshmallow, je suis fier de toi. Rien à voir, mais... Il dit quoi La phrase, elle est forte. Elle est On verra la traite du dimanche. Mais je vais reprendre et je vais vous dire juste la phrase. Mais la phrase, je la trouve vraiment très forte. Il dit mot pour mot, c'est dingue ce qu'il raconte quand même. C'est pas rien. Il dit, il est clair que tu es vraiment l'homme qui a fait tomber Kaido. Est-ce que vous pensez que ce qu'on voit là, là, c'est ça qui lui fait dire, ouais, toi, y a pas de doute, t'as fait tomber Kaido. Et le seul argument où on peut dire que si c'est ça... C'est à cause de son acquis de l'observation que des grands guerriers avec un seul coup peuvent être capables et même sans donner des coups. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce que le fils qui a vaincu Kaido, c'est le Gear 5. Et je peux t'assurer que là, le Gear 5, tu, tu peux aller voir le fils, tu sais pas ce que c'est. <laughs> c'est tellement fou le Gear 5. C'est tellement la folie. C'est la folie que du coup, euh, tu peux pas. C'est impossible. Je vous le dis honnêtement, c'est impossible que ça soit le coup qui dit. Ça marche pas pour moi. Petit sujet comme ça, luzo San, pour toi, quel est le meilleur Gears de Luffy Celui qui t'a procuré le plus de sensations, qui t'a le plus impressionné Personnellement, c'est le gear second. Eh bah, je vais te dire exactement comme toi, c'est le gear second. Parce que euh, c'est un power-up totalement inattendu. C'est un power-up, tu ne peux, peux pas théoriser le gear second. Tu ne peux pas t'imaginer une seule seconde, c'est tout nouveau. Et du coup c'était perturbant parce que le fit est tellement faible comparé à... aux membres du Cyberpole que là, le... de voir ça c'était choquant. C'était choquant. Après le Gear 5, c'est plus... C'est différent parce que le Gears 2, c'est le début de quelque chose. Et le Gears 5, ça clôture le, le Gears 2, en fait. Ça clôture tout ce qu'il a fait. Après le Gears 4, là, et c'est ça qui est fou avec One Piece. Hein. Le Gears 4, là, tout le monde valide. Tout le monde valide le Gears 4, mais je vous assure que c'est vrai. Il y en avait beaucoup, 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 beaucoup qui ont critiqué le Gears 4 quand il est sorti. Il y en avait vraiment beaucoup qui l'ont critiqué. Et qui disaient que c'était de la merde, que Dress Rosa c'est long, pour finir sur ça c'est horrible, que c'est vraiment pourri. Je vous jure que c'est réel. Je dis pas ça pour... Euh... Mais vraiment, c'est... Il s'est fait lyncher, le Gears 4. Il s'est fait lyncher. Et tout le monde est tombé en love dessus après, quoi, avec le temps. C'est la magie de One Piece. Le Gear 5. Là, ça crie au génie. Mais vous étiez là, c'était récent quand même quand il est sorti le Gear 5. Combien de personnes ont chié dessus Combien ont chié dessus Ils étaient très nombreux. Hein. Le Sony, le Dears 4, c'est que Snake Man, le Bondman, nul pour moi, le flow, je veux dire. Ah le flow, ouais, après, le flow, c'est subjectif. Vraiment, c'est subjectif. Mais même ceux qui n'ont pas aimé le Gears, tu c'est pas un problème de pas aimer, encore une fois. Hein. En vrai, euh, c'est pas un souci. Mais euh, il mais faut dire ce qui est. A, a et maintenant, est, je vois très peu de personnes dire ça, quoi. J'ai tout de suite aimé le Gear 5. Ah, moi, j'ai. Moi, j'aime beaucoup les cartoons. Moi, je vais voir s'il y a des anciens ici. Moi, le dimanche soir, avant le foot, il y avait euh, sur Canal, en clair... Pour les enfants pauvres, <laughs> il, y avait, euh, il y avait ça, Cartoon. Bah, voilà. Et je regardais ça, c'était mon moment à hein, moi. J'avais fait mes devoirs, j'avais tout fait. Ou j'avais fait semblant d'avoir fait mes devoirs. Mais en tout cas, c'était bon, j'étais libéré de ça. C'était le moment où, où ton daron, il te laissait devant. Tu vois, parce qu'il savait qu'après, il y avait le foot et tout. Il te laisse et c'était génial. Donc en fait, quand tu as grandi avec les cartoons... Avec euh, le monde de Text Avril. Vous vous rappelez, c'était sur M6, je crois, non tudu, tudu, tudu. Non, c'est pas ça, c'est Tree Friends, mais je m'en souviens plus euh, le nom de Text Avril. Bienvenue dans ce monde fou, fou. Et, euh, et les animaniacs. En fait, c'était tout euh, pour, 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 pour ceux qui sont de la génération 90. Je suis un 90, du coup. Euh... Islam. Isma, Islam Islameg. Je suis un je suis un 90. Ceux qui sont de cette génération-là, vous avez grandi. Bip bip et coyote. Bip bip. Pfft. Vous avez grandi en fait, et de voir ça dans One Piece, c'est stylé. T'as déjà essayé la coupe chauve <laughs> Ça a été toute mon enfance, la coupe chauve, Infinity. J'avais pas le choix, moi, de choisir ma coupe de cheveux. Je suis sûr qu'on était beaucoup, hein, mais j'avais pas le choix. Les 90, c'était une génération, je vous jure, où, où, où le jeu le plus technologique qu'on avait, gamin, c'était un Tamagotchi qu'on achetait au marché. Un Tamagotchi. C'était ça pour nous. Le. C'était le summum du. C'était waouh! Oh la technologie de ouf! Euh, fallait pas que l'œuf meure pour qu'il éclot et tout. C'était. Allez réussir à faire éclore l'œuf et tout. C'est. Oh, oh Tamaguchi, bien, bien joué le jeu de mots. C'était ça nos. C'était ça nos jeux. Donc euh, les cartoons, ça a été toute notre enfance. Et de voir les cartoons débarquer. <laughs> C'était la coupe de côté. Et ouais, du coup, j'ai même pas fini mon propos. Je suis vieux, je suis sénile. Je commence un propos, je le finis pas. C'est gravissime. C'est très grave, ça fait flipper. Mais, euh, mais pour moi, euh, j'avais pas la Game Boy, frérot. Ah non, 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 non. Je vais vous raconter une anecdote après. C'est archi drôle, mais j'avais pas la Game Boy. Mais, mais Daron c'était, tiens, euh, c'était 7 euros à l'époque, la coupe de jeu. Et Même c'était en France, je crois. Je me souviens, souviens, souviens plus très bien, c'était combien. Euh, et j'avais pas le mon mot à dire. Hein. C'était euh, tout à zéro. Allez hop. On rasait tout. J'ai eu, eu la boule à zéro euh, jusqu'au collège. À partir de la troisième seconde, j'ai pu prendre un peu d'indépendance capillaire. Mais avant, c'était... Hop, boule à zéro. Tu montes ton boule à zéro. T'as vu l'annonce de la saison Merci beaucoup, je suis plus faible que toi. Merci beaucoup pour la force. J'ai vu et je suis trop excité. On en a parlé tout à l'heure en début de live. C'est wow. Ça explique les cheveux longs, bien sûr. Et l'anecdote sur la Game Boy... En fait, en école primaire, je sais pas si c'est encore le cas, mais t'avais le droit de ramener à l'époque tes jeux. Et, et du coup, moi en école primaire, du coup, c'était Pokémon. C'était une tendance de fou furieux. Et euh, tous mes potes, ils avaient une Game Boy. Ils avaient une Game Boy. Ils avaient Pokémon. Et ils jouaient à Pokémon et tout, tu vois. Et à la fin de l'année, du coup, on, on devait ramener ça. 5... Et moi, j'étais petit, j'étais bête. Tu vois, au lieu de dire, j'ai pas de Game Boy et d'assumer. Ils en avaient tous, et j'étais là à dire « Ouais, si, si, j'ai une Game Boy, ouais, Pokémon, ouais, ouais, trop bien et tout, ouais, ouais, ouais. » J'en savais rien, je sais pas où est-ce qu'ils étaient, ils me disaient « Ouais, t'as vu dans cette euh, Moisille t'as fait ça ?» Je disais que oui, c'est le mec qui voulait me tester, j'étais cramé tout de suite. <laughs> et du coup, je disais toujours, je mettais toujours la faute sur mon daron. Je mettais toujours la faute sur mon daron, c'est mon père qui veut pas, c'est mon père qui veut pas. Et j'avais un pote, il s'appelait Aurélien, si jamais un jour bah, je le croise Aurélien, il est parti voir mon père à la sortie de l'école. Et il a dit à mon père, monsieur, euh, est-ce qu'il peut ramener sa Game Boy s'il vous plaît demain J'ai vu mon père, il m'a regardé comme ça. Et ce que j'ai kiffé c'est qu'il a compris en fait. Il a compris de ouf. Et il m'a couvert. Et il m'a dit non, il peut pas, j'ai interdit. Bah, <laughs> il peut pas, j'ai interdit même d'acheter. <laughs> Mais euh, il m'a couvert en fait. Et franchement, j'ai cru que j'étais foutu, boulot au ventre et tout, j'ai dit Ah, je vais me faire allumer et euh, il m'a couvert de ouf. <laughs> il m'a dit, non, non, il peut pas, il a pas le droit de la ramener. Et j'ai dit, ouf, je suis chaud. <laughs> Mais ouais, Pokémon, j'ai connu ça tard. J'ai connu ça sur PC, avec euh, les disquettes à l'époque. On avait Pokémon dans une disquette et on jouait avec un émulateur sur l'ordinateur. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir Pokémon. Et, euh, et, et je suis pitié de fou Pokémon. Hein. Je suis même tatoué, j'ai un tatouage Pokémon quelque part sur mon corps. C'est je... vraiment ma génération... Hein. Pleine patate. Ah oh ouais, c'était une anecdote de fou. Mais après, je me rends compte hein, quand on discute comme ça, on a tous les mêmes darons, on a tous eu les mêmes vies. Je suis rien à il ils avait pas la Game Boy ici. Hein. <laughs> à l'époque, c'était chaud. Hein. C'est quoi ton Pokémon préféré Ectoplasma. Ectoplasma. Je suis tatoué avec euh, Fantominus. Juste au-dessus, ta Spectrum. Et après, derrière, en grand, t'as Ectoplasma. Quelqu'un part. <laughs> oh, ça, mon je n'ai pas compris. Euh... Le Zosan. Mais euh, Pokémon Or et Argent et, et God Silver et tout, c'est génial. C'est... C'est les meilleurs jeux qui ont jamais été créés de toute façon. Vraiment, vraiment. Mais pour revenir sur One Piece, du coup, euh, que j'ai connu bien plus tard, que j'ai connu au lycée. Pour moi, vraiment, je vous assure que je... Je dis pas ça pour faire chier encore une fois. Je dis pas... Et je pense pas à dire ça. Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, peut-être que vous, vous avez... Euh... Salut Sabnino. <laughs> Merci mon ref. <laughs> Merci mon frérot. Et FIFA 98, meilleur jeu de tous les temps. Ah, FIFA 98. PES 5 frérot, PES 5 c'était la folie. PES 5 c'était vraiment la folie de fou furieux. Sony ton manga préféré, One Piece. C'était pas One Piece au début, c'était Naruto. Nanaiki. Merci, bienvenue Nanaiki, bienvenue mon ref, bienvenue à toi. Et euh, Mais il y avait aussi, je vous mens pas, euh, Monster. Monster, le manga Monster m'a ravagé le cerveau. Je vous jure, ceux qui l'ont pas lu, lisez-le. Monster, ça te si vous aimez genre Death Note, c'est un... c'est différent, mais c'est très intelligent, très subtil et c'est très bresson à sa manière. Mais vraiment, un Monster, c'est incroyable, c'est incroyable, je vous jure, incroyable. Et disez moi dans, le... disez moi <laughs> va y arriver. Dites-moi dans le chat. Peut-être que vous c'est le cas. Est-ce que pour vous actuellement euh, le combat Kizaru luffy il est extraordinaire et surtout le combat luffy Kizaru prouve des choses là tout de suite est-ce qu'il a détruit le Snake Man c'est fini franchement disais moi ouais, tu as vu je... moi langue bien français hein. enfin, je, je... 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 s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai me terminer ça veut que me faire bande de bâtards combat claqué j'étais déçu de fou pour moi honnêtement. Ah Kuro, gros. Bah ça fait plaisir. C'est quoi qui était incroyable mon ref Et c'est pas pour te vanner, attention, personne ne le vanne hein. El Cracito, Bienvenue mon ref. Il a rien le fille, non, le fille est déçu du combat. Bah ouais, je vous assure, déçu du combat de fou. Je... Ah Sonny, toi France Fort. Moi je... Je m'attendais à... En fait, je pense que j'en je, abuse trop et, et comme j'étais déçu de Garp... Euh, je suis déçu là, c'est peut-être il faut que je change ma vision des choses un peu. C'est possible hein, que ça vienne de moi le problème parce qu'en vrai, j'attends trop des combats des fois. Là où en fait il n'y a rien à attendre. Quoi. À part si au prochain chapitre c'est différent. Mais sinon c'est qu'il n'y a rien à attendre. Quoi. Et, et c'est fini maintenant, on verra que des off-screen, des 2-3 panels et tout comme ça. Là. Déçu comment Kizaro n'a pas réussi à tejet le film. Avec la es comment... Bah en fait ça m'a pas choqué ça parce que le dé dégagé il va continuer encore. Hein. On n'est pas sur du Sanji hein, quand il prendra un coup de fou comme ça et son coup est très intelligent de Kizaru faut le dire. Kizaru a utilisé sa force, il a utilisé la particularité de son fruit du démon et, euh, et ça a servi pour le plan. Donc ce qu'a fait Kizaru en fois c'est très intelligent. C'est juste qu'en soi le combat... Pfff. Mais ce coup de pied là au final, coup de pied plus dôme plus remonté dôme le fils va bien. Et on l'a prouvé là actuellement, euh, sur le chapitre précédent, toutes les brûlures qu'il a, il en avait déjà avant, en fait. Il en avait déjà ses affrontements contre les séraphins. On le voit au moment où il attaque Kizaru. Donc en fait, on parle de traces de trucs qui existaient déjà avant. Donc je euh, demandait à Marco quand il a dégagé Kizaru, à Marineford qu'il n'est pas revenu. Là c'est pareil. En fait, c'est. Mais Marineford n'est plus pris un exemple, n'est plus pris en exemple. Parce que euh, il a pas besoin d'aller à East Blue, Marco, pour dégager Kizaru. Il te l'a dégagé de fou et il euh, y a eu une explosion monstrueuse, tu vois. Et les deux sont ont joué en mode Kizaru. Il a dit je t'ai pas fait mal, l'autre je t'ai pas fait mal. Et il y a une vraie complicité pour montrer que les deux s'ils s'accrochent, il y a un vrai combat. Kizaru peut vaincre Marco le Phoenix. Marco le Phoenix peut vaincre Kizaru. Pour moi, c'est ça le niveau. Il en est là. Ils, ils sont tellement proches que que c'est jouable de fou. Et en plus, on parle d'un Marco le Phoenix à son prime. Hein. On parle pas d'un genou, on parle pas de. On parle d'un Marco Phoenix qui a tout vécu. Euh, Second d'un empereur, euh, c'est... ça y est, c'est pas n'importe qui. À ce niveau-là, c'est pas n'importe qui. Et... Et, Jim... et Luffy va lui manquer l'expérience, de toute façon. Il va lui manquer l'expérience. Mais quoi qu'il arrive dans le chapitre, et je vous jure c'est vrai, hein, c'est. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la mauvaise foi, je sais pas, je ne suis pas dans la tête des gens. Mais si jamais Luffy avait débuté en Gear 5 directement... Ça allait crier au score en mode « Waouh, truc de ouf euh, !» Ça veut dire qu'il faut le Gear 5 pour Kizaru. Euh, sans le Gear 5, c'est mort. Et il commence en Snake Man, ça veut chier sur le Snake Man aussi. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça sera tout le temps... Et c'est pour ça que je pense, personnellement, que l'affrontement, entre guillemets, pro-Yonko, euh, pro... Euh, pro-Amiro, euh, pro il se finira jamais. Je vous, à, à la fin du manga... Il n'y sera... aura pas de « Ah ouais, c'est vrai, ça n'existera pas. » Et ça sera l'équivalent d'autres mangas où il n'y avait pas eu. Hein. Euh, par exemple, pour euh, Dragon Ball Z, il euh, y a ce fameux dilemme entre Buan et la forme finale de Oob. Il euh, y, euh, y a ce duel qui existe encore, le manga est fini. Le manga est terminé, parce que pour moi, Dragon Ball Super n'existe pas. J'aime bien regarder, mais je déconnecte mon cerveau quand je le fais. Mais... Euh... Et il y a encore ça. Et ça sera pareil, je vous assure. Imagine Luffy répondre à la phrase de Kizaru La vitesse n'est pas la puissance, c'est le hati. Ah Bah là, honnêtement, j'attends beaucoup. Là, maintenant, c'est ce que je disais la dernière fois. Euh j'ai vu un des commentaires de YouTube, pourquoi est-ce que tu fais comme si tu parlais à un, un, un pro-amiral, alors que dans le chat, il n'y en a pas Si, durant la réacte, ceux qui étaient là, il y avait un mec qui a parlé de manière respectueuse, il a dit ses termes à sa manière, mais il n'est pas allé trop loin. Il y avait un, un pro-amiral qui disait, non, vous, vous êtes fait clim, mais voilà. Mais pour moi, je l'ai répondu. J'ai dit, la réponse, à mes yeux, pour moi personnellement, en tout cas, et si je me trompe, j'aurais aucun mal à dire que je me suis trompé, zéro, mais c'est la semaine pro. Semaine pro, si Kizaru, il met la misère à Luffy en Gear 5, et eh ben je me serais trompé. Je dirais, bah ouais, j'ai mal évalué Kizaru. Kizaru est beaucoup plus fort que je ne le pensais. C'est tout. Mais après, bon, c'est pour ça que j'attends beaucoup de ce combat. Personnellement, Luffy Gear 5 a vaincu Kaido. Si Galère contre Kizaru, euh, j'arriverais pas trop à comprendre le délire, tu vois. J'arriverais pas trop à comprendre, c'est tout. Après, c'est moi qui comprends. Ça ne veut pas dire que le manga, le, le manga, <laughs> mais c'est incroyable, mon dialecte est monstrueux. Ça ne veut pas dire que le manga est éclaté, que ça y est, c'est fini, n'a rien à voir. Ça veut dire que moi, ce nid, euh, j'ai mal compris les choses et j'ai toujours... Et je vais pas comprendre. Je vais pas comprendre parce que pour moi, Marineford, c'est un moment trop important du manga que je ne peux pas négliger. Mais si on me dit qu'à Marineford, tu avais vraiment euh, trois amiraux, qui était équivalent, voire même plus fort qu'un Kaido, que t'avais l'amiral en chef qui était de ce niveau-là, que t'avais comme pour certains Mihawk, plus fort encore un niveau t'as jamais vu, jamais égalé dans l'histoire de l'égalation. Mais euh, comme a dit le frérot Rio, je reprends sa phrase la mission de garde, la mission de barbe, ça me tue quand il dit ça. Mais la mission de barbe blanche, c'est un suicide collectif et c'est tout. Il s'est dit non, 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 il n'y a pas que Ace qui meurt. Hein. Ah non, non, on meurt tous. Ah je refuse Non, 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 non. Ace mourir tout seul, c'est la famille. On meurt tous ensemble. Et c'est ça. Et comme moi, personnellement, je mets de la cohérence un peu dans Marine quand même. Je me dis, ils peuvent pas. Ils peuvent pas nous faire ça là. Euh, je, je comprendrai pas. Mais ça voudrait pas dire qu'il y a une incohérence dans le manga, ça voudrait dire que moi, ma, je comprends pas. Et je peux me tromper, et que ma cohérence à moi, ma vision est fausse, et que j'ai merdé. Si Amiro égale Yonko, il n'y a plus de pirates. Bah, si Amiro égale Yonko, c'est l'équilibre. Même l'équilibre, je l'aurais pas compris. Je vous assure que là, que. Comment c'est possible, si t as autant de puissance de frappe, qu'à Marine Ford, t'as l'amiral en chef Pengoku, qui dit qu on peut perdre cette guerre, attention Je me souviens plus de la phrase. Mais je crois qu'il dit, on est en, même en surnombre, on peut perdre cette guerre. Pourquoi tu dis des bêtises Arrête T'as vu tout ce que t'as T'as vu la puissance des amiraux Mais t'es tranquille. Pourquoi t'as peur Bienvenue, Belly. 81 000. Bienvenue, mon ref. Il est finito le manga. T'es pas fan du manga, frérot Il est finito par rapport à ce que j'ai dit si jamais ça arrive Ou il est finito parce que t'aimes juste pas le manga Pour moi, il y a de l'incohérence dans l'arc Marineford. Je pense pas que Zoro a déjà le même niveau que Miyuk. Comeback. Ah bah, Tu vois, moi, je trouve pas d'incohérence. Après, tu vois, comeback, personnellement. Je pense, et c'est ça le problème, je pense qu'à l'épée, à l'épée, Miyoke est plus fort que Zoro. Sur les techniques d'épée, parce que Miyoke, il semblerait, il a combattu des épéistes. Là où Zoro n'a pas combattu d'épéistes. Post-ellipse, il n'y a pas d'épéistes. Et pré-ellipse, il y a un cadavre. Et après, il y a eu deux ans avec des macaques. Il s'entraîne avec Miyoke. Donc c'est compliqué de le passer en maître épéiste sans combattre d'épéistes, tu vois je pense que qu'il a un niveau pour moi, mais, mais là où je dis que par contre, il l'a rattrapé de fou, c'est par contre, il a atteint, il est dans sa sphère, ça y est. Il est dans sa sphère. S'il y a un combat mieux que Zoro, je peux t'assurer que le combat, il est chaud patate. Hein, et qu'il n'y a pas de one-shot de Zoro. Hein. Zoro ne se fait pas one-shot. Hein. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde. Il n'y a aucun monde où il se fait one-shot. Ça n'a rien à voir. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Après, il n'y aura, aura pas de, de one-shot ou de foudroie mioc et tous les refs, c'est pas possible. C'est juste pas possible, parce que même dans l'histoire, ça n'a aucun sens. Tu vois <laughs> Ça y est, c'est fini. Non, par contre, ouais, là, là il peut se battre. Euh, il peut... S'il peut... y a un combat, sachant que les épéistes n'existent pas dans One Piece, et qu'on va m'expliquer comment Zoro s'est entraîné à l'épée, mais euh, s'il y a un combat... Bienvenue à toi, Itachi Uya. Oh, magnifique et je suis magnifique, mon ref. S'il y a un combat, je vous assure que Zoro peut gagner. Je vous assure qu'il peut gagner Zoro. Mais ça sera un beau combat. Parce que là, tu rentres dans une sphère. C'est pour ça, c'est comme quand j'explique euh, on ne peut pas faire des. C'est très, très, très compliqué, voire impossible à mes yeux. C'est impossible de faire des, des, euh, des classements de puissance de personnages. Parce que dans le même rang, tu peux avoir un mec que tu as mis plus fort qui peut perdre contre un mec que tu as mis plus faible à cause d'une caractéristique du mec plus faible, qui donnera l'avantage au mec plus fort. Pour moi, je pars du principe que quand tu rentres dans une catégorie de groupe, et bah dans ce groupe-là, tout le monde peut se mêler, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. C'est chaud patate. Et, euh, et pour moi, Zoro, il est rentré dans cette catégorie-là. Il est rentré dans la même catégorie que Miyuk. Ça y est. Parce qu'actuellement.. À part si on me dit que là, Rob c'est une étape infranchissable pour Zoro. Actuellement, des personnages connus dans One Piece, je ne vois aucun personne. Je vois personne. Dites-moi si vous voyez quelqu'un qui peut mettre en grande difficulté Zoro, parce que n'est pas. Je parle pas de Yonko. Attention, parce que les Yonko pour moi, ils sont pas. C'est pas les ennemis de Zoro. Mais c'est 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 le fit qui doit les affronter. Je je vois aucun personnage qui peut mettre en difficulté plus que King l'a fait en fait. Je ne vois pas. Pour moi, King, c'est un monstre de fou furieux. Je ne vois pas. Garpemiok, j'en vois un, moi, Ray Livieux. Ouais, mais il est plus dans cette histoire. Tu vois, il est plus... En tant que... C'est pas un ennemi des Mukiwara. Il ne sera pas dans leur chemin à dire, hé hey, toi, Zoro, viens là. Et je pense pas que là, on, on arrive sur, euh, sur, un, sur un, un entraînement, j'y crois pas. Comme je ne crois absolument pas, je vous le dis, je ne crois absolument pas. Ener, ah ouais, Ener, il est chaud mais pareil une particularité de fruits du démon incroyable on est, on n'est pas dans un monde pour moi où les Mugiwaras vont perdre par exemple tu vois. et même shiliu de la pluie pour moi ça sera pas un combat de bonhomme hein. pour moi shiliu de la pluie ça sera un combat de pirate ça sera une merde tu vois shiliu il est archi fort parce que c'est une crapule shiliu c'est une crapule il est tellement fort tellement vicieux le coup qu'il a fait Carpe, il est incroyable. C'est un coup de pirate, tu vois. Et c'est un coup de pirate ce qu'il a fait. Et je pense, et la fruit du démon de l'invisibilité, c'est pour que ça soit utile. C'est pas pour qu'il fasse un combat. Vous imaginez, il arrive face à Zoro, face à face, toi et moi, homme, homme, et il devient invisible. Son fruit du démon, sa caractéristique de base, fait qu'il est fait pour les coups de pute. <laughs> il est écrit pour les coups de pute. Ils sont trop forts, en fait, les Mugi maintenant. Ils sont vraiment trop forts. Ça, c'est vrai, hein? C'est vrai, là, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que. Si c'est le cas, dites-le moi, les refs. Est-ce que c'est ma vision qui est biaisée Pourquoi Sanji est autant euh, en mode. Ah, oh, euh, Sanji, c'est devenu un monstre. Sanji, c'est devenu un monstre. Sanji est flippant. Il a fait avec les séraphins. Quand on voit l'état dans lequel. Regardez, l'état dans lequel euh, Luffy, il est. Vous avez vu Luffy dans quel état il est après avoir affronté les séraphins On a remis la page tout à l'heure. Avant d'affronter Kizaru, il est déjà tout cramé de partout. Il a pris cher contre les séraphins. Là où Sanji, il a passé un moment de détente. <laughs> il a. Eh mais. Sanji, on l'a pas vu là. C'est possible qu'il va partir Maravellucci. Euh... Soit fond. C'est pas fini, mon ref. Mais. Euh... Il était total détente, le ref. Il était face à un séraphin. Là, la nouvelle arme ultime du GM. Il limite il faisait des zooplats pendant le combat. Mais en fait, le truc, c'est que Luffy sera jamais mis en avant comme un Shanks, en one shotant un perso, etc. Des persos comme BN, on l'a vu avec Lowe, ou Luffy avec Kizaru, n'auront jamais des prestats comme Shanks avec Ukaido. Mais c'est pas pour autant. Ils n'ont pas le niveau d'empereur. Juste, ils n'auront pas les mêmes traitements. Si Luffy roule sur tout le monde, ça n'a plus d'intérêt. Bah. Zosan, ce que tu dis, c'est super intéressant. Mais euh... Surtout, c'est dans les personnalités. quoi. Et je peux t'assurer qu'il y a quand même une différence qu'on oublie facilement. C'est que euh, Barbe Noire et Luffy, ce sont des jeunes empereurs. Et même Barbe Noire, il est toujours un jeune empereur. Il est un jeune empereur. On ne s'en rend pas compte, mais il est un jeune empereur. Là où Shanks, Kaido et tout, c'est des empereurs affirmés. Ils ont ce statut depuis longtemps. Ils sont terrifiants. Ils ont une autre aura. C'est difficile. Hein. Si, on met, si on met Luffy avec 10 ans euh, en tant qu'empereur. Et rajouter la 10 pige à, à Luffy face à Kizaru. Bon. Bon, je pense que là, euh, faut pas oublier qu'on est dans un shonen. Et que Luffy a 20 piges, quoi, en gros. Luffy, il, 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 il est super jeune, quoi. Il est super jeune, Luffy. Il, il est tout tout jeune empereur. Il est tout tout jeune empereur. Et j'ai entendu combat final contre Sanji. Bah en fait, Sanji pour moi son affrétement... son affre je sais pas parler, c'est trop grave. Oh, je... je fais des bêtises. Je fais des grosses bêtises. Du coup, il a plus de <laughs> badois. Il y a plus de badois. <laughs> non, je suis maladroit. Je fais tout le temps ça, c'est incroyable. Je suis maladroit de fou furieux. Et euh... Et du coup, euh, je sais plus ce que je disais. Grexéen, <laughs> ouais, c'est ça. C'est de la badois. Ouais, c'est de la badois. J'en ai perdu une grosse partie. Ouais, je suis fatigué, je fais des live tard. j'ai pas le choix. C'est nu, tu es sous substance illicite. Jamais, j'ai jamais goûté à ces trucs-là et les frérots ne goûtez pas à ça. Vraiment, c'est une, une phrase bateau, toute bête. Mais rentrez pas là-dedans, je vous jure, ça, ça va juste vous faire dépenser des thunes et, et massacrer votre santé. Et c'est tout. Rien d'autre, ça va rien vous apporter. Euh, ça n'apporte aucun style de swag. Ça ne fait pas de toi un beau gosse. Ça fait pas de toi rien du tout. Mais je revenais sur l'affrontement de, de Sanji. Pour moi, Sanji, qui je vois affronter à la fin, c'est assez simple. Je me dis soit il affronte un, un, un des. Euh, merde, j'oublie leur nom. Comment ils s'appellent déjà les nouveaux membres du GM qui sont apparus là, qui semblent archi forts Les Chevaliers Divins, je crois que ça, ouais. Les chevaliers divins. Soit il affronte un chevalier divin. Merci Goku et Zait. Soit il affronte un chevalier divin. Soit il affronte un membre du Gorosei si jamais c'est des combattants. Soit il affronte un amiral. Je vois que ça. Soit il affronte un amiral. Ah, je sais qu'il y en a qui vont péter un câble, hein. mais pour moi les amiraux, le problème, le problème des amiraux, c'est que ils vont affronter qui. Ils sont quatre au total en prenant l'amiral en chef. Les empereurs ne sont pas alliés. Les empereurs vont tomber. Donc quand le va arriver, ils vont affronter qui eux s'ils sont encore là C'est compliqué, hein C'est compliqué de fou, hein Les amiraux vs les Révaux. potentiellement. Pourquoi pas C'est possible. Mais en vrai, je voyais quoi moi Je voyais les chevaliers divins versus les, les Révaux. avec euh, notre ami Gerling là euh, versus. Euh, en fait, Garnier, quand il s'est annoncé, je me suis dit, ah ça y est, ils ont mis l'affrontement qu'on va avoir, qui va peut-être nous faire kiffer. Euh, l'affrontement face à euh, Dragon. Est-ce qu'on a enfin le personnage que Dragon va affronter Parce que pour moi, j'y crois encore. Je sais qu'il y en a, ils me prennent pour un fou. Mais pour moi, j'y crois de fou au sabot. Euh... Sabot à Je vous jure que le sabot à j'y crois dur comme fer. J'y crois de malade. Parce que Sabot, il est vraiment fort. Et... Il euh, y avait trop de parallélisme. Il y a un parallélisme fort. Et parallélisme, il y a un parallélisme trop fort pour que ça n'arrive pas. Dragon me vaille peu trop. Dragon me peu trop. Je veux le voir en pleine puissance. puissance. J'espère aussi, ça doit être terrifiant. Tu vois, je serais trop déçu si on voit Dragon arriver et après on nous montre une case d'un combat de Dragon. Oh la déception de fou. La déception de malade. Et il avait trop fait le kéké, notre ami Akainu, face à ba, face en disant Mais toi, tu n'es que le feu Moi je suis le magma. Et je veux voir Sabo, je veux voir le feu vaincre le magma. Je veux, je veux que ça arrive, ça. Je veux que ça arrive de fou furieux. Parce que par exemple, Nil avait dit que le froid absolu, c'était plus fort que le magma. Il y avait un truc comme ça. Je sais plus s'il est encore là le frérot ou pas, mais il avait dit un truc dans le genre, et je sais que beaucoup avaient critiqué en mode mais n'importe quoi, le magma, c'est beaucoup plus fort. Salut bye salut mon ref. Mais euh, un hasard, l'île, c'est 50-50. L'île, c'est 50-50. Et je me demande même si ce n'est pas ça les conséquences d'un éveil. Parce que Kuzan et, euh, et Akainu, et ils ont pas juste... ils ont bouleversé le climat à vie. Il y a des montagnes, des tempêtes de neige. Il y a du magma H24. Je me demande si c'est pas ça, en fait, l'éveil de Logia. Est-ce que l'éveil de Logia est tellement dangereux qu'en fait, ça te change même euh, tout l'environnement Est-ce qu'on ne rentre pas dans ça Et c'est la seule explication qui expliquerait pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé à Marineford, parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Trop, trop dangereux, en fait. Beaucoup trop dangereux. Est-ce qu'on ne rentrerait pas dans un bail comme ça Parce que là, du coup, tu pourrais le comprendre. Là, tu, là, tu peux comprendre qu'à Marineford, ne soit pas utilisé. Parce que vous avez vu ce qu'ils ont fait de Punk Hazard. L'île, elle est, elle est massacrée à vie. C'est la seule explication si on m'explique que ah, l'éveil, euh, voilà. Euh, je pourrais potentiellement. Et encore, je pourrais potentiellement comprendre. Tu vois, vraiment. Et, et je parle bien potentiellement. Sony, petite mise en scène, Kuzan met un ice glove à Sanji et Sanji ne bouge pas. Il ne prend aucun dégât. On fait comment Mais Sanji il a une particularité de fou, hein. Bah, je vais vous dire peut-être des termes qui vont être effrayants, mais Sanji dans l'équipage des Mugiwara, c'est celui qui se rapproche le plus de Big Mom. Je sais pas si vous voyez mon propos. C'est celui qui se rapproche le plus de Big Mom. Où Big Mom, t'es arrivé, t'essayais de la toucher, il se passait rien. Et il se passait rien du tout. Il y a quand même eu tout un scénario euh, comme, le comme les bancailles inter et les anarches magnifiques. Man exactement. Comme dans l'arc des Espadas, on t'annonce, bah je vais utiliser ce bankai, mais parce que il est interdit en fait. Tu vois Et comme là, dans l'arc en cours, avec le vieux, quand il l'utilise, parce que c'est un bancai interdit. Hola Yanis, comment est-ce la casa? Euh, bienvenue uh, Satch uh, Gaming, bienvenue à Tom Ruff, Donc les amiraux se sont retenus à Marineford. Bah si ça arrive, si ça arrive, c'est même pas une question qui se retient, c'est parce qu'en fait ils peuvent, ils, dès qu'il y a du monde, ils ne peuvent pas combattre. Il faudrait, faudrait nous je te dis ça j'en sais rien peut-être que je te dis de la merde et ça n'a aucun rapport avec que c'est pas un éveil et là du coup bah non mais si jamais c'est un éveil c'est dans le principe ou si jamais c'est ça l'éveil tu vois si jamais c'est ça l'éveil ils ont un pouvoir trop destructeur en fait ils ont un pouvoir beaucoup trop destructeur destructeur mais destructeur même de l'environnement tu vois parce que je pense qu'un kaido t'as beau créer de la glace ce que tu veux il te mêle il te mêle tu vois un big mom s'il t'a beau créer de la glace il veut te mêler il te mêle c'est quoi ce pseudo de fou, frérot Salut Jean Peugeot du 62. C'est quoi ton pseudo de fou furieux Il est incroyable. Ah, il, a... il tue ton pseudo, frérot. Il tue de fou. C'est ce qu'ils ont dit quand les réveaux ont attaqué Marie-Joie. Ils tueur. Ouais, bah, ils ont des fruits du démon euh, destructeur. Ça, c'est réel, ils ont des fruits du démon destructeur. Mais mais pour moi, Kirua, tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça ne s'arrête pas à ça. Pour moi, c'est du haki. Et Kizaru nous a montré qu'ils peuvent utiliser le haki. Donc en fait, c'est contre eux aussi, tu vois. Euh... Ils pouvaient affronter Morley avec du haki. Et là, on le voit. On le voit, on l'a dans cet arc-là, en fait. Euh... Est-ce que à un seul moment, Akainu s'est retenu pour protéger. Non, il s'est pas retenu d'activer son fruit du démon, rien n'a pété. Après le Hourou Choc. Un APT, il a tué son fruit du démon direct. Sans pitié. Sans pitié aucune. Alors que son fruit du démon est extrêmement dangereux, quoi. Donc euh, Cette excuse un peu des amiraux. Euh, moi je suis plus là, tu vois, je pense comme à Kainu, c'est des excuses. T'as le rang amiral, et si jamais t'as le rang empereur, c'est encore moins excusable. Abuse Big Mom est dans un autre monde. Par contre, la capacité de Sanji. Bah c'est ça. Euh, c'est pas que Sanji va vaincre Big Mom. C'est celui qui ressemble le plus, de par sa capacité. Tu sais, la capacité à tanker des coups, parce que ce qu'il a tanké, c'est impressionnant. Pour moi, en termes de tank, ça vient... Quand on voit ce que fait, par exemple, un mini-mioc, du coup, un séraphin, quand il tranche la montagne euh, à... sur l'île des femmes. Tu as vu la puissance Et là, tu as vu la puissance que lui met euh, un séraphin Le séraphin de Jimbe, en pleine tête. Et il n'a même pas bougé. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Je pense qu'il y a un 1v1, je ne pense pas. à Big Mom des boîtes Sanji, il n'y a même pas de comparaison possible. Mais c'est plus dans les facultés, mon ref. est vraiment bluffant, en effet. En tout cas, ça fait plaisir de voir un pro Zoro comme toi respecter autant le bras gauche du futur roi des pirates. Ah, frérot, je peux que respecter Sanji. Sanji, c'est une des deux ailes. C'est une des deux ailes du roi des pirates. Sanji est monstrueux. Sanji est très, très, très fort. Il a rien à dire là-dessus. Et il a été, son développement, de toute façon, il a le meilleur développement des Mugiwara post-Ellipse. Post ah, Sanji a le meilleur développement scénaristique, tous ses power-ups sont expliqués. Euh, il n'a pas eu un power-up sorti du ciel comme ça, ça a été très long. Son power-up est, est expliqué quand même, il a pris du temps. Tout ce qui s'est passé à Wall Cake Island, tout est expliqué de, de fond en comble pour qu'on arrive à ce dénouement, à cette forme ultime, à cette capacité qui permet de vaincre un commandant d'empereur. C'est génial. Ce match que je t'ai envoyé ou c'est prévu pour un prochain live, tout ce que tu m'as envoyé, je veux que Neil soit là. <laughs> Nil, il faut qu'il soit là pour tout ce que tu m'as envoyé parce que du coup j'ai regardé. Hier j'ai parlé, avant-hier j'ai parlé, mais j'ai regardé. Du coup j'ai lu. Il faut que Nil soit présent. Je veux des membres de la Cross Guild dans ce passage-là. Sony, est-ce que tu trouves que la prime de Miyok est légitime Bah, euh, j'en parlais à l'époque. Ah, Rappelez-vous ceux qui étaient présents en première émission de Cross Guild. Euh, J'en parlais au tout début et j'expliquais ma vision des choses. Et avant même qu'on ait même des primes, ce qui était là, avant même qu'on ait l'annonce de primes complètement folle, j'expliquais et en mode je me disais pour moi, ce qui est sûr et certain c'est que les primes telles qu'on les connaît n'existeront plus. Parce qu'en fait, t'avais des primes qui popaient dans un monde en équilibre. Et là, tu des primes dans un monde qui n'est plus en équilibre, où la marine est en guerre officiellement contre les pirates, contre les Shishibukai en l'occurrence. Donc les primes des Shishibukai doivent être importantes. Et ça, j'en parlais à l'époque, et ça date d'il y a un bon moment. Ça, ça, date, ça date de avant la pause. Ça date de avant la pause et des insultes qu'on a eues pendant un mois. Et pour moi... Les primes vont changer et la vision du monde. On ne peut pas avoir cette même capacité parce que le monde est, est plus du tout à l'équilibre. Et quand j'expliquais ce qu'était pour moi la cross-guild, pour moi la cross-guild c'est vraiment terrifiant. La cross-guild c'est pas de la merde. Parce que la cross-guild, ce que c'est réellement, c'est quoi C'est une guilde. On n'est pas du tout dans une notion d'équipage pirate. On sort de ça. C'est pas du tout ça. C'est une guilde. Une guilde, la, c est, c est, ça n'a rien à voir. T'as des capitaines qui ont été soi-disant soumis par euh, par Baguille le clown. C'est incroyable. Mais euh mais c'est des capitaines et reste euh, leur aura reste et pour moi crocodile clairement sa prime elle est totalement expliquée par son un avoir avec son charisme de je sais pas quoi c'est pas parce qu'il est charismatique pour moi il se fait déboîter par un king Cro crocodile se fait boire à la paille par un king tu vois, vraiment je, je suis ultra sérieux king il prend une paille et il, le, il arrive à le vaincre avec une paille je suis très sérieux dans mes propos et euh... mais du coup pour moi c'est son réseau Crocodile s'apprime à l'expliquer par son réseau. C'est lui le réseau. C'est il est trop dangereux, Crocodile. Dans une organisation criminelle et ça se voit, on le voit. C'est qui la tête pensante C'est qui la Cross Guild en fait La Cross Guild, c'est pas Miyook. La Cross Guild, c'est pas Baggy. C'est Crocodile. Sam Samizbox, ça va très bien mon ref. Penny va bien mon ref. <laughs> c'est euh... j'ai raté un truc ou pas Non, j'ai pas raté de. Ah si, bienvenue à toi, Losa. Bienvenue à toi, mon ref. Ensuite, on a Baggy le clown. Ancien Shishibukai, ancien, capitaine, ancien euh, pirate de. Et rappelez-vous, sur le navire, quand il va à Marineford, on t'a sous-estimé grandement. T'es un des personnages qui a permis à Marineford ce qui s'est passé à Impel Down. Tu, euh, il était surestimé de, de malade mental. Et il a mis sous son crew, il a rassemblé, il a rassemblé dans son aura. Deux Shishibukai. Donc, on le met comme le boss parce que c'est à cause de l'affiche. Et ensuite, t'as le troisième. T'as le troisième qui est extrêmement important de Fou Furieux. T'as Miyuk, qui était considéré à l'époque comme le chasseur de marine, en fait. C'est un truc de fou. Et moi, je pense, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense qu'en fait, il ne chassait pas les marines. Rien à voir. Mais il allait affronter tous les épéistes qui voyaient Marine ou pas. Et il a pris ce statut, vient de là. Je pense que ce statut vient de là. Et du coup, ça prime à Miyuk. Vous imaginez, dans une organisation comme ça, qui vient d'être créée, avec autant de pouvoir, tu as le chasseur de pirates en chef, qui est présent. Mais frérot, bien sûr, c'est le danger de la Cross Guild à mes yeux. C'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, Miouk, c'est le danger de la Cross Guild. C'est le chasseur de pirates. Il y a le chasseur de pirates. Le chasseur de marine. Vous imaginez, son statut, c'est chasseur de marine. Comment ne pas faire un lien, en fait Son statut, c'est chasseur de marine. Sa connaissance, c'était ça avant de devenir Shishibukai. Et après, t'apprends que l'organisation dans laquelle il, il, il appartient chasse les marines. Tu peux pas ne pas faire un lien. c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de ne pas créer de lien entre les deux. Donc, pour moi, c'est lui l'élément le plus dangereux de la Cross Guild. Et sa prime pour moi et me choque pas du tout du coup sa prime me choque pas du tout les refs vraiment sonny dit live mais non qui est un chasseur de ripou une ref à zoro le vengeur masqué chasseur de ripou j'y crois pas lui ripou pas il s'en fout lui je pense il n'a jamais été pirate bah je sais pas trop pour moi il a été pirate un autre ami hein. sonny on a un on a un dégénéré dans le chat c'est qui le dégénéré dans le chat <laughs> <Adseli. coughs> Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la marine plus GM est plus puissante qu'un équipage d'empereur plus la flotte Alors, si on prend dans la marine, tu mets euh, les séraphins. On a vu ce que c'était, les séraphins. C'est vraiment terrifiant. Si tu prends aussi les pacifistas, les nouveaux qu'on a vus là, actuellement, si on prend tout ça, attention. Donc, si je prends tout le GM, donc je prends le pole je prends les pacifistas, je prends les séraphins. Je prends les amiraux. Et même si on va aller jusqu'au bout du GM, parce que là, tu, là on me dit GM, on prend aussi les chevaliers divins. Si on prend toutes ces caractéristiques-là, ouais, bien sûr que tu peux battre un empereur. Bien évidemment. Bien évidemment, là l'équilibre n'existe plus. Il n'y a plus d'équilibre. Là ils ont remplacé les Shichibukai par quelque chose de plus fort. C'était le but. Hein. Et les séraphins, c'est plus fort qu'un Shichibukai. Hein. Je, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que non, mais... Tu remplaces pas quelque chose par quelque chose de plus faible, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et qu'on ne parle pas, ils sont plus faciles à gérer, c'est moins des pourris le GM, c'est des pourritures en chef, qu'est-ce qu'ils s'en foutent Qu'est-ce qu'ils s'en foutent de ça le GM Le GM, s'ils avaient la capacité de masquer ce qu'a fait Crocodile, ils allaient le laisser tranquille. Ils allaient rien faire le GM face à Crocodile, ils s'en foutent de tout ça. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent Tant qu'ils apprennent pas qu'il a la recherche d'une antique, qu'ils s'en foutent qui maltraitent des gens, qu'ils s'en tapent de ça. Qui maltraitent un royaume, qui s'en foutent. Le seul truc qui vont les énerver, c'est quoi euh, C'est s'ils apprennent que oui, ils recherchent une arme antique. là il est foutu. Alors là c'est fini, il est plus Chichibuka, il est destitué, à Wanted, prime 6 milliards. Allez hop, massacrez-moi ça. Moi ce qui me choque, c'est qu'il a une prime plus grande que de Yonko. Du coup la marine pense qu'il est plus dangereux que de Yonko. Bah la prime de Luffy pour moi déjà, euh, sincèrement, elle est, elle est, euh, elle est faite exprès. Et en plus là, ils ont vraiment l'information, on le sait. Il le dit Kizaru. Donc tous ceux qui disaient non, ils savent pas qu'il a vaincu Kaido. Si, si, ils savent. Ils savent que c'est Luffy qui a vaincu Kaido. Ils savent que Joy Boy est de retour. Et en fait, moi, la prime de Luffy, là où je dis qu'il y a un souci, il y a un quoi, c'est le scénario de fou furieux, c'est que de base, ils ne voulaient pas qu'il y ait cette tête-là pour Luffy. Ils ne voulaient pas qu'il y ait la tête de Joy Boy. Donc c'est sûr et certain que les 3 milliards, c'est pour le noyer dans la masse parmi les trois. C'est sûr et certain. Me dites pas que dans le monde de One Piece, un homme, un homme, qui était déjà considéré empereur à 1,5 milliard par le peuple, par partie du peuple, il a une flotte, des territoires, il a du coup vaincu euh, Kaido, c'est un truc de malade mental, ils ont l'info que c'est lui qui a vaincu Kaido, et en plus de ça, qui est Joy Boy, qui est Joy Boy, sa prime de 3 milliards. Non, là, et c'est là, qu là que c'est intéressant en fait. C'est là qu Oda, je trouve que c'est judicieux de sa part ce qu'il a fait. Je, je trouve que c'est très judicieux d'avoir essayé de le noyer dans la masse avec les 3000. C'est parce qu'en fait, dans la logique, si le GM annonce vraiment il ne se cache pas et que ça devient l'ennemi à battre numéro 1, il est censé avoir une prime soit égale à Roger, soit plus, encore plus élevée que celle de Roger. Parce que là, on parle d'un homme qui est dans le nouveau monde. Bonne nuit Thierry Althier, bonne nuit mon ref, profite de ton week-end. Bon week-end à toi. Mais force si tu On parle d'un mec. On parle d'un monstre comme Luffy. Il y a des rôles de ponéglyphes. Qui est Joy Boy, qui est empereur, qui est dans le nouveau monde, qui crie à tout le monde qui va devenir le roi des pirates et qui recherche le One Piece. C'est Joy Boy, recherche le One Piece, devenu empereur. Mais sa prime, elle est, in... elle n'a pas de limite. C'est l'ennemi, tout le monde doit être sur ses côtes. Il faut l'arrêter. Et qui a Robin en plus, Platinium, merci beaucoup. Qui possède le moyen de lire les poneglyphes, Et ils le savent aussi. Et du coup, d'avoir voulu noyer ça dans la masse, ça rend les choses un peu plus intéressantes et ça évite que Luffy, actuellement, sachant qu'on a encore des choses à nous raconter, il a une prime de 6 milliards le bougu. Parce que Luffy est pour le gouvernement l'être le plus dangereux. Et scénaristiquement parlant, tu peux que ne tu peux que le comprendre post-Wano. Tu, tu peux vraiment que le comprendre post -wano. Question, Barbe Noire, attendez, soit l'eau, Kid, ou Luffy, à ton avis, il se serait tombé sur Luffy dans l'équipage, il l'aurait il aurait abattu, euh, il, il serait dans la mer de notre ami. Euh. Barbe Noire aurait perdu. Barbe Noire aurait perdu. En plus, il est en sous-nombre. Euh, Barbe Noire aurait perdu. Moi, il n'y a pas de. Bienvenue à toi, Théo. Après, je sais plus s'il n'y avait pas Okiji déjà et tout à ce moment-là avec lui au tout début et ils sont partis après. Je m'en souviens plus très bien. Mais euh, non, pour moi, Luffy ne peut plus perdre. Là. Je vous assure, je vois plus Luffy perdre. Et la théorie qui, qui annonce une défaite ultime de Luffy, euh, une défaite euh, comme on n'a jamais vu Bonsoir à toi, mon ref. Une défaite comme on n'a jamais vu euh, et les Mugiwara vont fuir sans lui. Ça n'a aucun sens. Je vous assure que c'est du même niveau. Comme je suis sénile, j'avais commencé à dire cette phrase dans un ancien live j'ai vu que j'avais pas fini. C'est du même niveau que penser que Katakuri allait battre le fi. Je vous jure que c'est pareil. Katakuri allait battre le fi pour beaucoup de monde. C'était ça. C'était Katakuri allait battre le fi. Je ne sais pas pourquoi j'ai un casque en fait, parce que du coup, j'écoute rien du tout. Je viens de réaliser. <laughs> Katakuri allait battre le fi. C'était ça le... C'était ça le propos. Et ça n'avait aucun sens. Ça n'apportait rien du tout. Je ne vois pas ce que ça apporte une défaite actuelle à ce moment-là de Katakuri. Et bien là, c'est pareil. Une défaite de Luffy face à Katakuri, bah ben là, c'est pareil. Ça n'a aucun sens que Luffy perde maintenant. Il, a, il est sorti de l'enfer contre Kaido pour perdre contre un, un... Je vais dire le terme. Contre un simple amiral aucun sens s'il doit perdre euh, il faut que le membre du Gorosei soit euh, ça soit une aventador hein, que ça soit un truc de malade hein. pour moi c'est le seul élément qui peut faire ça je vous jure je vois pas d'autre façon de voir je, je je vois pas les choses différemment que comme ça sincèrement je j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens veulent absolument voir le fil perdre je ne sais pas non plus en fait ils veulent ils veulent et ça je sais il y en a beaucoup qui veulent que le manga One Piece soit plus sombre dans les difficiles pour les Mukiwara, mais c'est déjà très difficile. Et clairement, Luffy a déjà perdu il y a peu de temps, en fait. Il a pris une défaite humiliante à Shabaoudi Il n'a pas pu sauver son frère qui est mort sous ses yeux. Il est extrêmement faible à Marineford. On l'a vu, c'était un moucheron qui allait de gauche à droite. Et ça y est, ils se sont traînés pendant deux ans. C'est pas pour se dire merde on a... ils ont vaincu un empereur pour que ça s'arrête là. Je trouve que c'est un non-sens complet Il a clairement perdu contre Kaido, il a perdu plein de fois, c'est le Luffy Gear 5, ça reste Luffy qui a vaincu Kaido parce que même tu sais le comeback, le coup que prend Luffy, le le coup que prend Luffy à cause du membre du CP0. Mais même si le membre du CP0 était venu, Luffy allait perdre. À ce moment-là, c'était certain parce que là les deux Luffy dit bien c'est mon dernier coup. Et on se rend compte qu'après, quand il passe en Gear 5, il met ses coups à Kaido et Kaido est toujours debout. Kaido est toujours debout. Ça veut dire que son attaque en gear 4, forcément, allait le faire perdre, en fait. On a cette réponse. On a la réponse de qu'est-ce qui se serait passé si le membre du CP0 et eh bah ben, la même chose. Le Phi à terre inerte. Le Phi à terre inerte. Mais le fait qu'il est membre du CP0, c'est pour accentuer l'arrivée de Joy Boy, accentuer le fait que le gouvernement mondial n'a pas préféré ça. Et même, encore une fois, il y a un, un point de vue important. Bienvenue à toi, Ménophe. Bienvenue. Il y a un autre point de vue euh, important de Fou Furieux là-dessus. C'est que... Euh, bah c'est que j'ai oublié ce que j'allais dire. Je suis sénile, je suis en train de lire le chat. C'est gravissime. Oh, je suis fatigué à ce point-là, mais c'est trop grave. Je disais quoi, les refs Mais c'est fou, ça. Je parlais, j'oublie. Inerte au sol, le Luffy qui allait vaincre... Ouais, le allait perdre contre... Oui, c'est bon. J'en suis revenu à un, un, un point extrêmement important dans mon propos. Le membre du Gorosei, les membres des de Gorosei, du coup, ce qu'ils ont voulu faire, ils étaient dégoûtés. Vous imaginez, entre le retour de Joy Boy et mettre en colère Kaido, ils étaient là à se dire mmm, Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit prendre entre les deux, est-ce qu'on a fait le bon choix On a quand même mis en colère Kaido. Si c'est pour me dire Pourquoi tu as peur comme ça si dans ton équipage, là, dans ta flotte, dans ton empire, euh, t'as quatre bougues qui sont du niveau de Kaido, voire plus fort encore que Kaido, pourquoi tu transpires Pourquoi tu transpires Envoie le suicide cadre, envoie tes trois amiraux, ils vont le mêler, c'est réglé, on n'en parle plus. Il y a plus de Kaido, il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus rien. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Luffy a vaincu ça. Le Luffy a dû éveiller le Gear 5 pour le vaincre, mais le Luffy a vaincu ça. Et t'as même une phrase encore une fois, et c'est pour accentuer la phrase qui est annoncée. Il te dit quand même, il te dit, il est clair que tu es vraiment l'homme qui a fait tomber Kaido. Cette phrase, pour moi, elle est violente de la force, de la bouche d'un amiral, de la bouche d'un être que je considère plus faible que Kaido, quoi. Pour moi, ces propos, ils sont ouf. Vous voyez ce que je veux dire Voyez, ce que vous voyez. Vous voyez pour moi, ces propos, ils sont trop importants et on ne les calcule pas. Je comprends pas. Personne n'en parle. Tout le monde dit que ces propos sont hardcore -issimes. Le seul moyen, c'est que Kizaru soit plus fort que Kaido encore ou légal de Kaido. Mais ça n'aurait aucun sens. Un non-sens total. Pourquoi le Gorosei se chie dessus juste en mode on va euh, faire peur, euh, on va énerver Kaido Ils avaient peur de ça, mettre en colère. Ka oh non, Kaido est en colère. Oh non Oh non Ils étaient en panique Vous imaginez le voyez C'est pour ça que pour moi ça n'a pas de... C'est dans ma vision des choses, c'est un non-sens. C'est impossible. Et donc c'est pour ça que là, le le prend en mode tacos. Ah la semaine prochaine, j'espère qu'il va le ravager. Hein. Et là, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer Kizaru pas, j'espère qu'il va le ravager. Et Kizaru ne peut pas peut ne pas perdre en soi directement mais peut perdre indirectement, c'est s'il abandonne le combat, s'il fait autre chose. S'il se dit non, je ne peux pas vaincre le Fi, il faut que je fasse les choses différemment. Ou s'il comprend qu'il y a une... ou que le ralentit, qu'il comprend qu'il a une limite au Gear 5 et qu'il essaye de faire le maximum pour essayer de faire durer le Gear 5 le plus, le plus longtemps possible en essayant de fuir un peu à gauche à droite. Mais le Gear 5... Euh... C'est tellement fou que je me dis, il y a peut-être un monde avec le Gear 5 qui arrive à le rattraper en mode lumière, vraiment en mode... Euh, comme Bibip Bip avec le coyote. Drrr, vous savez, avec les pieds qui partent un peu comme il a fait contre Kaido. Et euh, il pop d'un seul coup, tu vois. C'est possible qu'on ait... Euh, qu'on ça, en fait. Pour moi, c'est grave possible qu'on ait... Euh, qu'on ça. Mais euh, je ne vois pas Kizaru mêler le Gear 5 comme ça, je ne comprendrais pas personnellement. J'ai une question, Sony pour toi. Sony, l'époque de Roger est plus dure que celle de Luffy Non, l'époque de Luffy est plus dure que celle de Roger. Parce que Luffy va faire ce que Roger n'a pas pu faire, il est arrivé trop tôt. Et, euh, et Roger a fait ce qui n'existait pas avant. Il a lancé une vague de piraterie énorme. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Kaido, on nous le dit, euh, l'horrible Pengoku nous le signale. Le Kaido de Big, et Big Mom, les empereurs de maintenant, n'ont rien à voir avec les pirates qu'ils étaient dans le temps strictement rien à voir. Donc, euh, c'est le jour et la nuit là-dessus. Les empires pirates, y a, les empereurs n'existaient même pas. Et, et là, actuellement, on a vraiment un, on atteint l'apogée de la piraterie et Shanks n'avait pas ce niveau, il n'existait pas, c'était un enfant. Donc là, non, pour moi, on il y a Imsama qui rentre en action, là où Imsama, notre connaissance, n'a pas bougé ses fesses à ce moment-là. Donc, même si, comme tu dis, mon frérot, il y avait des monstres, et ça, c'est vrai, Pépito, euh, là, il y a des. <laughs> Il y a aussi des monstres de notre côté. Après, il y a Rox. Rox, je ne le connais pas. On va voir exactement. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monstre de guerre. Et c'est pas un Baggy le clown, ça c'est certain. Il n'a pas soumis ses euh, pirates aussi forts. Euh, ils auraient décelé la supercherie. Big Mom et Kaido face à Big euh, face à. Comme bah comme Crocodile et Mio qui ont décelé la supercherie. Ils sont pas fait piéger, eux. C'est des bouffons qui sont piégés par me. Euh, par, par, euh, par Baggy le clown. Donc forcément, s'il y a un monstre, c'est Xebec. Le monstre, quoi. C'est le Madara de one puisse bien jouer. Jeff Sunny, je pense pas qu'il est possible d'échapper Luffy, même en mode lumière, car Luffy prend le dessus grâce à sa créativité. Donc ouais, c'est ça, il peut faire ce qu'il veut. Il a plus de limites, c'est fini. Et je vous assure, il y a un monde où il décide de le prendre comme ça, de prendre ses cheveux comme il a fait, de créer une lampe et de le mettre dedans, tu vois, comme ça. Ça serait trop drôle, je vous jure. En fait, il va faire quelque chose de drôle. Oda doit faire quelque chose de drôle, c'est le Gear 5. Et le Gears 5, c'est le, le guerrier libérateur et il fait rire, son rire. C'est pour ça qu'on l'appelle Joy Boy. Joy Boy fait rire. Donc là, on est censé voir un cartoon la semaine prochaine qui va nous faire rire. Si les Séraphins enfants sont censés être supérieurs aux originaux, quel niveau auront-ils d'adultes Est-ce qu'ils seront adultes Je ne sais pas. Mais niveau adulte, niveau inarrêtable. Quand tu vois Luffy, dans quel état il est après avoir inventé des Séraphins qui vont bien buller, qu'ils ont dû buler. Donc un empereur comme Luffy ne peut pas vaincre un Séraphin. Alors qu'il y avait des cris de ces qui En fait, là où je me dis, c'est qu'un élément important où le fils n'a pas pu, ne s'est pas en mode je me retiens, c'est rappelez-vous, il y a eu un cri de fou des moukis, de, de ils ont entendu un cri et le a, a dit, à, il, il dépassera à ce moment-là, ce cri-là. Le ne peut pas se dire, oui c'est bon, non, il a dû se donner à fond derrière. Et lui, il, il a des égratignures partout, il, et les séraphins sont posés au KLM dans des bulles, adultes, je pense comme le dit Vega, c'est les êtres les plus forts du monde. Il le dit lui-même, Vega, il a créé les êtres les plus forts de la planète. Ils sont vraiment trop forts. Parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils ont affronté les Mugiwara, ils n'ont pas, hein. pas perdu. Ils ont été bulés, ils n'ont pas perdu, ils n'ont pas été mis KO. Aucun séraphin n'a été mis KO en affrontant l'équipage d'un empereur. Hein. C'est violent. C'est surtout que l'ère de Roger a duré plus d'une décennie. L'ère de Luffy, c'est seulement depuis près de trois ans. Euh, l'ère de Luffy, Luffy, ouais. La grande ère de piraterie date d'avant, du coup. Parce que ça date de l'exécution de Roger. De Roger. Tout ça pour perdre la fin. Est-ce que Luffy s'est mis en gear 5 face à Séraphin déjà Je me dis qu'il devrait le faire. Hein. Pourquoi ne le ferait pas Ça n'aurait pas de sens. Être les humains les plus forts. Ils sont destinés à être les humains. Après, je pense que les Séraphins n'existeront pas adultes il se passera un truc. Il se passe un truc. Et, et moi, je, je vous dis ce que je pense des Séraphins. Pour moi, c'est un des problèmes. Euh, c'est un souci que j'ai avec les Séraphins personnellement, quoi. C'est. Ils sont soumis, ils ont, ils ont une personnalité, mais ils obéissent à des ordres, c'est des esclaves en fait. Donc c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Il y a moyen, Zoro, à la fin du manga, il sera plus fort que Roger ou pas Non, ça je n'y crois pas du tout. Roger est un monstre de fou. Il n'a pas à Zoro à être plus fort que Roger. Pour moi, ça, j'y crois pas. Le seul qui surpassera Roger, c'est Luffy. C'est le seul à mes yeux. Je peux me tromper, hein, bac, mais c'est le seul à mes yeux. Salut tout le monde, j'espère que j'arrive pas à la fin du live. Salut Lacrimo, t'arrives grave à la fin du live mon frérot, je te jure. Ça fait une heure et demie qu'on live, dans 5-10 minutes j'arrête le live là, ça y est, c'est la fin. Si vous avez dernière question les refs et dans 5-10 minutes, ben, on souhaite une bonne soirée et surtout un bon week-end. Valsé le fils, c'est une dinguerie. Mercor, c'est par rapport à quel tweet J'ai pas vu quel message Vous avez parlé de la saison 2 Ouais, ouais on a parlé, ça va être masterclass, j'ai trop trop hâte. Je te jure, j'ai trop, trop, trop hâte. On va voir Croco. J'ai hâte de voir le casting. Mais euh, Oda a signalé, il faudra du temps. En plus, il y a une grève actuellement. Je ne sais pas quelle, cette grève, elle impactera comment le live action. Mais en tout cas, ils ont quand même, malgré cette grève, annoncé bien, un renouvellement et tout. Euh, les acteurs, ils doivent être. Je me mets à la place des acteurs. Ils doivent péter un câble, ils doivent être trop heureux. C'est juste génial. Tu penses que le Gorosei, ils sont des Zoans ou quelque chose d'autre Bah Samis, tu poses une question trop intéressante. Moi, j'ai l'impression. Le seul problème, c'est que je suis un peu perdu avec Oda. C'est que Oda, du coup, il, amuse, il, il joue trop avec nous. Euh, des fois, avec les ombres, t'as l'impression que, que c'est archi fort, après, c'est éclaté. Mais surtout, dans cette partie-là, t'as l'impression qu'en fait, c'est Imsama qui les contrôle et que c'est Imsama qui crée une porte, qui ouvre une porte vers l'enfer. Je sais pas c'est quoi sa caractéristique, mais euh, elle mange l'attaque de Sabo et après, tout devient un peu comme si t'étais dans un cauchemar, en fait. Limite, elle a le fruit du démon du cauchemar, tu vois. Je sais pas ce que c'est, mais c'était... Et, et j'avais l'impression de voir des trucs horribles comme ça. C'est... midi live, faut noter que Kizaru agit autant que, ka... que quasi assassin. Il vise Vegapunk, mais Kaido, il voulait du Bowul. Il était même en colère que Luchi l'ait aidé dans son combat. Avis. J'ai pas trop compris, mon frérot, ton message. Menof. Menof. Tu peux le refaire, rire, s'il te plaît, frérot Désolé. Hein. J'ai pas compris. Il n'y a pas la réaction de le philosophe. Euh, la réacte de le philosophe, si vous êtes chaud, si vous êtes partant, on, on va se le faire dimanche, si ça vous va. Dimanche soir, euh, parce que maintenant j'ai envie de me mettre des 1h30, 1h40 de live, parce qu'après, en vrai, je suis fatigué, je dis de la merde, et... c'est pas intéressant. <laughs> Donc, Aminol, si t'es chaud, dimanche soir, on, on se fait ça. On se fait ça. GG Sonny sur scène, merci beaucoup, merci pour la force, frérot. Ce une scène, tu régales. C'est Zoro qui surpassera Roger, car Mio qui est plus fort que Roger. Ouais, cette théorie de Mio plus fort que Roger, je crois pas du tout. Tu as dit quoi si la fin d'Oda décide de transformer One Piece en DBZ en termes de puissance Bah, c'est que je m'étais trompé et que c'est tout, frérot. Bah, L'histoire est tellement cool que je ferai avec. Je suis pas si sûr que toi que les séraphins soient autant soumis. On voit bien qu'ils ont une possibilité de faire des choix. C'est vrai, Ernie, elle a pu faire des choix, mais ils essayent de les soumettre, tu vois. Et c'est ça qui me dérange. C'est vraiment ça qui me dérange. Salut Zir, tu vas bien mon frérot. Bienvenue à toi, Nagi Foot Off. Bienvenue mon ref. Merci Zir pour la force. Merci Frérot. Merci, merci frérot. Alors vous savez, j'arrive même plus à parler. Pour moi, mieux que niveau Yonko, parce que je pense pas que Zoro a atteint son objectif. Mais que Shanks est plus fort que tous les Yonko de loin. Du fait ce que Baggy dit lui et que Roger l'a choisi comme successeur. Moi, je ne mets pas mieux au niveau Yonko. Pour moi, les Yonko, c'est des anomalies. Et pour moi, une anomalie, euh, elle se fait jamais dire pas Vista, c'est mieux pour nous deux. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun monde où Vista dit ça à Kaido ou à Barbe Blanche ou à Big Mom. Il se fait enterrer sur place. Pour moi, c'est ça, les empereurs. Pour moi, je les, je les catégorise vraiment comme des anomalies. Et, et, et Zoro n'a pas de véhilité quelconque à avoir à ce statut-là ou à atteindre ce statut-là. Et de toute façon, il n'y a absolument aucun ennemi actuellement qui lui permettrait de monter à ce niveau-là actuellement pour rejoindre Miyuk. Aucun, donc euh, c'est compliqué les refs. Oh, merci beaucoup Gwen. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que Do Flamingo va revenir dans l'histoire J'espère que oui. Honnêtement, j'espère de tout mon cœur que oui. Je... Do Flamingo, c'est pour moi l'antagoniste, mon antagoniste préféré de tout One Piece. Son histoire, tout, 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 tout est extraordinaire et l'arc de Rosa est extraordinaire à mes yeux. Donc donc voilà. Bah merci beaucoup les refs. Merci d'avoir été là ce soir. Désolé pour le retard. Je sais pas combien on était, mais en tout cas, c'était cool d'être avec vous. C'est un plaisir de fou. Et dimanche, on se fait un, un 100% React. Et en plus, ce qu'on va faire dimanche, c'est qu'on va React. Je crois que le Mon Corvo annonce une vidéo un peu spéciale et tout en mode théorie de fou furieux. Donc euh, voilà, on était 19. Ah, quasi 170. C'est cool, putain, pour un live à l'arrache. Merci anne dit merci tout le monde. Et euh, du coup, dimanche, on va React ça aussi. On va réacte euh, et ça va être cool. Ravi d'être passé même 5 minutes. Lacrimo, merci d'être passé mon ref. Bah, prenez soin de vous les frérots. Passez un excellent week-end. On se revoit à la fin du week-end.